L'info, Ruth Radjessard, Patrick Hilbert. Bonsoir, l'opposition parlementaire réclame démission speaker cet après-midi dans une conférence de presse. leader de l'opposition, Xavier Luc Duval, Pédier qui speaker fin d'agir contre la loi. Quand Pan Orvin Boulel, dépit dans le parlement. Après qui chef de file parti travailliste y intervenir, l'ONU nous radio. Demain, Orvin Boulel, toutefois, peut rentre dans le parlement. Après qui juge fin gel décision speaker vendredi. Donc, dans l'émission aujourd'hui, nous prévenons la nos situations dans le Parlement. Est-ce que le Parlement lit au point mot Est-ce qu'aujourd'hui, le Parlement lit toujours fonctionnel Patrick, bonsoir. Bonsoir, Ruth, et bonsoir à tout le monde qui peut suivre nous, le, le radio et les ben, différentes plateformes du Défi Media Group. Ce soir, nous nous récevons, parce que là, de plate radio de nous plateau, Radjen Nausingen, signe lectureur en droit à l'Université de Maurice et membre du Parti Travailliste, et Aivo Tanyan, juriste et membre de l'Union Peuple Mauricien. Michael Magalha de Democracy Watch, Baché Kodabox, ancien parlementaire, Avinash Manwar, politologue, euh, aussi pour euh, Zubutan durant l'émission. Et en principe, nous pouvons aussi avec Navina Ramiad, government chief Whip, euh, durant la deuxième partie de l'émission, le 208-499 ou le 208-599 pour bonne bah, questions, opinions et observations. Messieurs, bonsoir. 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 Oui. Patrick bonsoir. et tous les auditeurs de Radio Plus et les internet. Donc euh, d'abord, nous revenons au cas d'Ovin Boulel. Je commence avec vous, Aivotanian, speaker qui sanctionne Ovin Boulel après son interview à Radio ⁇ Est-ce qu'il est capable de faire ça selon vous Alors d'abord, euh, avant qu'il dise où est-ce qu'il est capable de faire ça ou pas, d'abord, c'est quoi le rôle du speaker mm -hmm. Le rôle du speaker, c'est exactement comment l'orbite loin football. Donc l'orbite loin de football, il est supposé sanctionner en fonction des règles applicables au football, dans le cas présent, c'est un Parlement, donc il y a un règlement propre au Parlement. Et donc, Speaker, qui parfaitement connaît, il connaît qu'il n'est pas capable de sanctionner euh, le député Orvin Boulel pour quelque chose qu'il ne fait en dehors au Parlement. ou pas capable de sanctionner Ndimoun un pour une faute qu'il ne commet dans un autre match, dans un autre terrain, dans un autre cadre. Donc, on peut dire qu'il est d'un point de vue déjà... d'une logique simple. Il est clair qu'il appartient à Droit faire. Les. Maintenant, l'ine fait et quel était le but de le faire Moi, pensais qu'il nous fasse un gouvernement avec ce beer, dont font partie le speaker, euh, qui a tout fait. Donc, ce qu'il a démontré en faisant ça, c'est qu'il y a un pouvoir de faire ce qu'il y a envie. Mm -hmm. Donc, c'est clair que euh, ça n'aide pas à ce qu'il nous casse, à ce qu'il nous parle moins démocratique. Mais ça a dit, Jan, euh, quand on get one standing order. Euh... Tout dépend de l'interprétation. Donc, il y a certains qui peuvent dire voilà, euh, l'interprétation qui est où, on a, euh, Mais il a qui peuvent une autre interprétation. Donc, mm -hmm. euh, c'est justement là qu qui ça caisse en cours, là, l'hypothèse intéressant parce que il, la cour, en principe, il peut supposer, donne seule interprétation par rapport à sa décision. Alors, vous connaissez une démocratie moderne qui apparaît sur construction, commencée à partir de la Révolution française à partir de là, des démocraties modernes telles qu'elles nous connaissent, aux construction commence à partir de là. Et il y a des grands philosophes qui travaillent, aux des œuvres bien connues, un qui appelle l'esprit des lois de Montesquieu, et l'autre qui appelle le contrat social de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Alors, quand on peut cause interprétations avec moi, il est très important qu'il nous comprenne L'esprit des lois, c'est qui est ou qu capable d'interpréter la loi à minima ou à maxima. Ou mmh. capable et n'a une approche très subjective par rapport à la loi, mais ça ne répond pas à la question de l'esprit des lois. Pourquoi Parce que ce qui Montesquieu notamment expliqué dans ce l ouvrage, c'est qu'il y dit, c'est tous, c'est que l'esprit des lois doit répondre à l'attente mmh. qui la population a. Quand nous vine la question du contrat social de Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, dit, c'est la confiance qui les peup pour mettre, il dépendre sur l'harmonie qui existait entre la tente qu'il est et l'objectif qui le gouvernement a. Donc, quand nous venons sur la question de l'interprétation, encore une fois, bien sûr, la justice tranchera. Mm -hmm. Mais d'abord et avant tout, la justice est là pour venir rétablir quelque chose qui est considéré comme la personne lambda comme étant abusif, comme étant arbitraire, comme étant exagéré. Okay? Donc, euh, sur ce point, pour moi, bien sûr, la justice tranchera en temps et lieu, mais chacun a en droit il une seule opinion, chacun a droit et une seule attente. Quelle était l'attente de la population à ce moment-là L'attente de la population, c'était d'avoir des réponses. Mm -hmm. Et il apparaît que l'arbitre sur le terrain, qui est aujourd'hui le parlement, il prend plus place va nous jouer à lui-même puisqu'il lui-même lui décidait qu'il jouait pour exclure, qu'il jouait pour maintenir le terrain, qu'il jouait pour permettre de faire faute, montrer banque quelque chose dans le Parlement, site banque non, banque dimun dans le Parlement, ça lui peut autoriser, mais de l'autre côté, un qui ne quelque chose dans le Parlement, il trouve le moyen de le, euh, le sanctionner. Mais vous pensez, au final, pour, pour, pour conclure, ce point-là, c'est qu'il y a pour autant qui nous comprend, la démocratie parlementaire veut qu'il y ait des débats veut qu'il y ait des arguments qui soient opposés à d'autres arguments. Des arguments pour, des arguments contre, des arguments neutres. Est-ce qu'il vous trouve l'environnement qui nous parlement avec le speaker qui nous est nain, avec les premiers ministres qui nous sont est est-ce qu'il trouve trouve favorable à ce qu'il y ait un débat démocratique ?– Adrien Nansingen, est-ce qu'il n'y a pas un tel cas dans nos parlement. Bon, vous connaissez, nous visons la loi de la hein. Dans le passé, quand on get Standing Taniodez qui tient là, hein, tient à disposition dans la loi avant 1995 qui permet un speaker sanctionne un membre du Parlement, même s'il ne fait une déclaration à l'extérieur du Parlement, ça tient là. Et tient dans le passé. Mm -hmm. Mais là, quand le speaker agit agir dans le passé, il agit dans le cadre d'une loi, c'est-à-dire d'une un, réglementation. Après 95, je trouve Patrick peut dire, c'est une question d'interprétation. Moi, bien sûr, qui m'a interprétation, qui a bah, les autres avocats dans, dans la pratique, cette interprétation, qui ne speakent sur l'interprétation, il vaut ce qu'il vaut, et ultimately, vous allez bah, nous dire, c'est la Cour suprême ou finalement le Privy Council qui peut de donner une interprétation. Mm -hmm. Mais quand vous avez sa section qui speak in road service 49 sous section 8 et section 77, vous vous trouvez qu'on est une de technique d'interprétation. Qui à Maurice, qui en France, d'ailleurs nous suit beaucoup plus le ban, ce qu'on appelle statutory, interpretation pareil comme les simples hein, quand on peut lire un novel, un livre, ou pas comprendre, on va le dictionnaire. Dans la loi, il est pas pareil. Bien sûr, parfois, vous au service dictionnaire, les juges, au service dictionnaire, mais on a une technique d'interprétation qui nous appelle the literal rule, the golden rule, la the mischief rule, whether the contextual rule, moi on dans technicité. Ce qui me permet aussi nous peut oublier dans ce débat-là. Et dans l'autre section, section N de Sustaining Orders, mm -hmm. il dit, in case of doubts, je vais à ce que Patrick Indier dit, il dit, vous voyez, linterprétation là il n'y pas comment dire avant, dans l'époque, dans, dans, dans l'ancien temps, dans beaucoup de pays, de l'Afrique et à l'Amérique latine, comment dire, un oracle, oracle, qui roule devant un hill, un petit montagne, où dit ce qui ont envie, après... Le, le sage du village ou le oracle, il y a une interprétation. Ils ont dit, dans un contexte de droit moderne, il a pas comme ça, il y a une technique spécifique comment on va interpréter. Donc, justement, sa section 1 de nos standing orders, il dit à nous, in case of doubt, where do you, where do you, you have to fall back? C'est la Bible des parlementaires en Angleterre, mais aussi en partie à Maurice, mm. vous ne pouvez pas nous suivre aveuglément, c'est un grand. Un grand écrivain, un grand euh, auteur qui s'appelle SKNM. Mm -hmm. Donc, comme moi, à travers mon recherche qui m'a en fait le SKNME et comme on il y a statistique qui est en Angleterre, la façon dont le speaker peut agir aujourd'hui, suspendre le parlementaire parfois indéfiniment, ou une longue session, mon recherches qui m'a en fait, ça a dernier ou trois mois là. Vous pouvez trouver qu'en Angleterre, maximum de suspens parlementaire, il faut deux, trois Merci sessions, si. le grand, grand maximum. Mm -hmm. Nous avons comprendre aussi, Patrick et Ruth, mm -hmm. qui, sa standing order, hein, à plusieurs reprises dans la presse mondiale, c'est une meilleure régulation. Mais ce qui primordial, est primordial, ce qui est important dans nos cadres juridiques, c'est nos constitutions. Pour moi, il y a certaines dispositions de nouvelles standing orders qui allent à l'encontre de la Constitution. -moi expliquer spécifiquement. Quand on regarde section 34 de nos constitutions, mm -hmm. pas une section 34, tout est cause d'interprétation. Le grand juge Lala, dans le cas de Namin Ramoulam, mon tâtonneur général, il fait un pronouncement que dit To be a member of parliament, c'est un constitutional right. Et il ne faut pas oublier que le speaker, avec tout le respect, qui normalement nous bizarre, nous bizarre, is lui, presiding officer. Et là, encore plus, dans le cas présent, il est non-elected member. Et ça fait toute la différence. Avant, dans le, vous trouvez qu'au début, c'est le premier speaker de l'Assemblée. Avant, c'était le gouverneur qui le président de l'Assemblée. Après, vous gagnez l'autre du monde qui s'appelle Stanley en 1959. Et subsequently, on a un grand du monde, qui presque une légende, c'est ce Harilal Vagdi. Vagdi, avec ce sens de humour, avec ce command of the language, avec sa finesse, avec ce... Il hein, ne faut pas nous copier, nous dire tous mauvais dans la British culture, avec sa British culture là, qui tout positif là donc, où vous trouvez Lee and somebody qui tient toujours command respect. From the government and the opposition. Je vais vous raconter une petite anecdote, une fois, ça, c'est un saga, c'est une de bullshit. Là, quand Pérode va Vagdi, Rotex, ça, c'est un tout task. Et d'ailleurs, on trouve le grand speaker en Angleterre, John Bercow, mm -hmm. qui à plusieurs reprises malmené Theresa May et malmené euh, Boris Johnson. Ça, c'est un speaker. Quelqu'un qui. Impartial. Mm -hmm. Parce que, euh, mon camarade Ivo il joue le rôle du Speaker. Mais l'inconnu, qui fait nous passer une législative assemblée en ce moment-ci, après l'indépendance C'est le Parlement. Et dans le Parlement, où on a deux côtés de la Chambre, le gouvernement et l'opposition. Le gouvernement, il est là pour gouverner dans la bonne gouvernance. Et l'opposition, il est là pour critiquer constructivement. Donc, la thèse, l'antithèse, il a, et le terme qui nous servit, le speaker, comme si l'arbitre, vous nous invitez à comprendre, il Peut-être légèrement, légèrement, il peut-être parfois, quand l'opposition est un peu trop abusée, parfois, moi, moi, je conseille aussi, qui y un certains membres de l'opposition, parfois abusés. Mais, pas oublier aussi, qu'il y a beaucoup de membres du gouvernement aussi à miser. Et c'est ça qui m'a pensé, qu'on peut penser à une sanction démesurée là, pour moi ça potentiellement peut briser section bon. 1 de la Constitution, section 12 de la Constitution et section 16 de la Constitution. Mm. qui porte Qui porte sur. Pardon là et... Pe... Oui, oui, Poste pour moi, si, si vous pouvez faire, man, 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 par exemple, ou tolérer un membre du gouvernement ou, ou, ou sanctionner un membre de l'opposition, vous pouvez briser section 16. Mm. Quand N. Guette ça. C'est ce qu'il premier... -ce dit pour nous, pour nous, nous auditeurs, Di Discrimination. Puis, oui. Vous n'êtes pas capable faire une discrimination. Elle a, elle a cinq grounds. Malheureusement, elle a dit cinq. Pour moi, elle n'est pas correct. Si vous avez plus de grounds. Mais un de bande grounds, c'est aux couleurs politiques. Donc, si vous oui. pouvez sanctionner, par exemple, Orvin Boulel, ou pas sanctionner un membre du gouvernement qui passe une remarques désobligeantes à l'opposition. Donc, ça, c'est une discrimination claire et nette. Donc, section 12. Étant donné qu'il n'y a aucune disposition spécifique concernant avant 1995, mmh. donc là, vous trouvez qu'il y a un gross abuse potentiellement. C'est à la Cour de trancher, bien sûr. Qui peut impingre, ou ou enfreint le Freedom of Expression ça. Le Premier ministre qui est leader of the House, il est le Premier ministre. Le président qui le head of the state. Zot n'importe qui citoyen lambda qui a un droit critique zot sont autonomes dans la diffamation. Mm -hmm. Parce qu'il les droit commun, qu'il soit le plan droit civil ou le plan droit pénal, si un du monde fait mal à bulle ou Radio, dans la presse écrite, il un meeting, d'une réunion, et il a un mal à pour sanctionner ce mal là Donc moi, moi, je suis appris, façon qui le speaker peut opérer, il peut dire, above the law. Il est Prime de premier ministre, in a way. Voici, c'est ça. Là, je vais faire une critique objective contre le leader de l'opposition. Je bon, vais faire une critique objective contre la, le, le leader du Parti Travailliste. Je bon, vais bon, faire une critique objective contre un autre qui membre du Parlement. On vais gagner droit. Mais comment se fait-il que cette fois-ci, l'ironie, le paradoxe, c'est un des qui est non-elected, les leaders, aucun des gens ne va pas critiquer, et ils empiètent la liberté d'expression, section 12. De la constitution de l'honorable Orvin Boulel. On me dit, le Speaker, s'il y a mal à il est bien sanctionné parfois dans le passé. Vagdi, il mm -hmm. sanctionnait, lui aussi. Sarah Mézioula, tout de suite après Vagdi, nous prend l'histoire, il sanctionnait. M. Adjei Debi, surtout dans son premier mandat comme Speaker, il sanctionnait. Parfois, c'est un à Mais M. Adjei quand il retournait pour la deuxième fois, Monsieur -de M. Adjei Debi, il est un Speaker exemplaire. Nous pouvons faire une pause rapidement, Raja Norsingen, après nous pour continuer avec le débat. <t 'en> La suite. De retour sur le plateau, donc nous péquons la situation au sein du Parlement. Donc nous avons Rajendra et Ivo Tandan avec nous. Um, pour éviter un point un peu plus tôt, je pense euh um, Paul Béranger versus uh, Dioula. Donc, um, on a le jugement à l'époque. Donc, il dit um, the judge in chambers, il dit one must bear in mind that the power given to the assembly to regulate its own procedure and to make rules for the orderly conduct of its own proceeding is granted subject to the Constitution, section 48 de la Constitution. Donc, est-ce qu'il explique, en tout cas, c'est la vie section 48 de ce constitution Oui, c'est-à-dire, enfin, si, soit Enfin, nous, nous avons l'occasion, tant de choses concernant les règles applicables au Parlement. Mais il n'en a fait qu'important, là, Rajen, il cite section N de nos constitutions. Section N de nos constitutions dit, Moses, il est souverain. Uh, Republic of Mauritius is a sovereign democratic state. Ça veut dire que peu importe uh, ce qu'il peut faire, ou bien respecter ce qu'appelle appelle une république sovereign and democratic, démocratique. Okay? Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'est pas capable de faire une règles arbitraire. Et si en l'occurrence, là, nous trouvons que l'application et même l'interprétation de la règle vin arbitraire parce qu'il y directement concerne un Jimun qui, Soyons clairs. Duty speaker qui était. Speaker, l'inon-elected, comme Rajan l'a bien expliqué juste avant là. Mais elected Et ce duty, euh, bien comme si ce duty, au-delà de ce qu'il est bizarre de faire comme prestation dans le Parlement, ce qu'il est bizarre accompagne, ça c'est l'accessoire de ce, de ce duty, ce qu'il est bizarre aussi, gagne le respect de l'opposition gagne le respect du public, gagne le respect des médias, et bien sûr le respect du gouvernement. C'est ça ce, ce, ce travail, entre guillemets, l'IPAC a fait à lui, s'il y le respect des différentes composantes d'une société démocratique, qui ne m'a fait qu'expliquer là. Mm -hmm. Donc le Parlement, bien sûr, capable de faire son propre règle, mais son propre règle, bizarre, en accord avec ce qui nous appelle un democratic state. Sinon, ni pas, Mais -ce il pas... Euh, oui. est-ce qu'il y a le judiciaire qui avait une taille dans c est c est ce qu'appelle fait le Parlement Bon, premièrement, si, de, de, enfin, une bon, mot. Si vous, si vous avez envie, réponds-y à ce que mon camarade a eu au Une site, un extract de oui. section 48, oui. il n'y a peu dangereux, hein. pas dangereux. Il ne faut pas aussi dire un extract que vous êtes en lit dans son oui. globalité. Avant ça, extrait qu'il y a une cité là, elle a un bout qui n'a pas cité. Ou bien subject to the Constitution. Et c'est ça mon argument qui m'opère de faire un petit peu avant. Moi, je vais dire, je parle aller plus loin. Pour moi, it's high time qui nous revoit nos standing orders. Parce que les standing orders, parfois, ils parlent à l'encontre de nos constitutions. Moi, je vais dire, pour être membre du Parlement, c'est un constitutional right. Ça, pas moi qui vais dire ça, c'est le grand juge là, -là qui dit ça ce qu'on dit, subject to this Constitution », veut dire, bien sûr, le Parlement, dans un an, dans six mois, dans deux ans, pourquoi pas, on repasse par un nouveau règlement. Mais toujours, les bison il avec la Constitution qui, section 2, dit que la Constitution est la supreme law. Is la supreme law. Donc, quand il dit « supreme law », veut dire, qui, monsieur Speaker, qui, monsieur Premier ministre, ou demain, le Premier ministre, je ne suis pas capable d'override nos constitutions. Mm -hmm. Ça, c'est sacré, ça. À moins qu'il y une majorité trois quarts ou deux tiers, ou donc, pour des sections, où ils passe pas au référendum. Donc, vous avez faire attention. Mm -hmm. Mais par contre, ce qui est un peu dit, on peut poser une question est-ce que la Cour suprême est capable d'intervenir dans des affaires comme ça Il y a plusieurs jugements. Un des bons jugements, c'est l'affaire Kitarat, par exemple. Que, normalement, le, le judiciaire et ce qui, mon camarade, il dit avant, il dit, invoque sa grand principe de la séparation des pouvoirs. De Montesquieu et de, de plusieurs, ben, euh, euh, les autres philosophes qui ont éliminé un principe juridique dans nos constitutions. Il n'y pas un principe philosophique, il un principe juridique bien ancré dans nos constitutions. Donc, on comprend la difficulté qui la Cour suprême est là. Bien sûr, il y a droit à intervenir. Il y a trois sections de la Constitution qui permettent le judiciaire d'intervenir. Mm -hmm. Section 17, quand Endman human rights breached, mm -hmm. section 83, section 84. Par contre, le Parlement et l'exécutif, ni le Premier ministre, ni le Président, capables ingérer dans les affaires de, du mm -hmm. judiciaire. Mais seulement quand nous dit à la Cour suprême capable d'interférer. Mm -hmm. Ça veut dire qu'elle dans toutes les affaires. D'ailleurs, un dans sa case de Kitarat qui n'est pas pour... Intervenir à tout et à travers. Il ne faut un parlement fonctionner. Mmh. Mais n'empêche qu'un homme a un gross abuse, soit à travers une judicial review, qui est différent avec un constitutional review. Et pour moi, justement, là, sa caisse qui met une caisse qui euh, l'honorable Avin Moulel pour mettre, mmh. et qui est toujours pending aussi devant la Cour suprême, pour moi, à mon humble avis, bien sûr, c'est n'est pas un avocat pour choisir, je ne pas pour advise personne, capable en même temps de mettre une caisse de judicial review et constitutional review. Parce qu'il n'est pas possible, même sa ancienne disposition qui tient avant 1995, à mon humble avis, ça est anticonstitutionnel. Vous pouvez pas capable un personne parlementaire qui pas capable de critiquer un Premier ministre, qui pas capable de critiquer un Président. Sa ancienne euh, disposition de la loi qui tienne là avant 1995, une personne parlementaire vient de la radio, vient dans la presse, critique un Speaker. Comment ça Un Speaker, bien sûr, nous a respecté, il y a à l'intérieur, même à l'extérieur,

et je ne trouve personne là. Je ne crois pas débattre, que je n'invite. Nous, je ne pas Mais pourtant, n'a pas là qui faire. Parce qu'ils ne veulent pas les débattre. Parce qu'ils ne veulent pas qu'à débattre. Parce qu'ils ne veulent pas une position arbitraire. Mm -hmm. Ils l'exécutif, ils le pouvoir absolu. Et donc, ils ne pas, euh, pas prêt à, à, à négocier. Mon livre euh, du juge. Euh qui avec toi là. Non, nous c'est une section. Ah, une section. Non, mais qui fait envie de ça, parce qu'il y a donc, ben, livre qui n'est qu'à l'eau de constitution Maurice, qui rejoint ce qui Rajan fait dire, qui est un colorable device, pas là, dans ce qui nous peut causer, là, c'est un ligne mais dans le la loi aussi. Je me rappelle que autres qui récemment, il y a la loi, mon coeur, IKTA, qui ne remodifiait, donc qui modifiait pour une question qui s'est c'est un annoyance. Donc, il met en caisse. Je, la loi-là euh, euh, prouve que la loi-là partie pas adaptée à nos constitutions. Mm -hmm. Ils ont fait, ils ont remodifié la loi-là, d'ailleurs. Donc, nous avons un Parlement, aujourd'hui, qui peut d'une manière maladive, comment dire, qui peut et là, là il y a pour autant qui, qui nous réalise. Bon, moi, personnellement, depuis le euh, deuxième confinement, moi, je prends l'initiative, je commence à faire ma vidéo euh, pour expliquer la constitution, notamment la section 1 à 16, de nos constitutions. Parce qu'ils ont dit finalement c'est ce à quoi nous capable raccroche nous quand nous pécose séparation de pouvoir. Qui fait qui fait il importe on comprend le concept. Le concept c'est quoi C'est qui à la base nous pe séparation de pouvoir parce qu'ils nous estimaient mmh. qui sac pouvoir en lui-même, il peut suffisamment, euh, suffisamment mature il peut suffisamment macho ou les connaît qui se limite il euh, a grand adas qui dit la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc ça s'applique à la séparation des pouvoirs. Les pouvoirs des uns s'arrêtent là où commencent ceux des autres. Mm -hmm. En l'occurrence, quand nous, dans le Parlement, et qui nous trouvaient, par exemple, qui fait bien le rôle de l'intervention du judiciaire, mais là, c'est qu'il y a un manque de maturité au sein de cette branche du pouvoir, au sein finalement de l'exécutif même il y a un manque de maturité. Mm -hmm. C'est aussi simple. Justement, l'interférence de la Cour suprême mm -hmm. euh, dans le fameux cas de Namin Ramoula, encore une fois, compte en général, <laughs> encore une fois, les juge Lala, il a le servi le mot colorable device. Mm -hmm. Mm -hmm. Là, l'ancien Premier ministre tire le justement justement, standing orders, pour repasse en catimini un service, qui nous appelle, on connaît dans le Parlement, on gagne 7 jours minimum pour passer la loi, pour faire second reading. Là, je suis servi un certificate of urgency. Et là, la Cour, de la Cour suprême me dit, non, 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 pas capable, c'est servi un certificate of urgency. Là, c'était un colorable device pour dépriver M. David Ramboulam de ceci dans le Parlement. Voilà un, cap, un, 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 un exemple très précis. Mm -hmm. Côte, bien sûr, avec beaucoup de précautions, la Cour suprême va pas pour le faire à tort et à travers, mm -hmm. mais parfois, les bizarres hittent, les, les bizarres intervenir. finalement fin, un autre cas, c'est euh, Béranger contre ce, euh, Ramesh Jiwala. Donc, quand. Euh, tu me rappelles bien, Béranger qui expulsé. Là, qui là, demande enfin, C'est un petit peu le même scénario qu'il okay, nous peut trouver. Pareil, comment ça de, Ça, c'était un cas de 99. L indembrouille. L indembrouille. L indembrouille. Il a obtenu le gel de sa suspension Oui, pas le gel, c'est qu'il y a une injonction. Un mm -hmm. Dans ce cas de, de, de Béranger contre Dioula, vous trouvez Personne n'a pas fait. Parfois, énormément du monde dans l'opposition et fait un abus. Je ne veux pas dire que M. Béranger est faire un abus, mais même actuellement, parfois, il y a abus. Mais est-ce qui ça demande... Vous quand vous prenez sanction, et là le principe de la proportionnalité. Donc, dans ce cas de, Donc, de là, 99, La sanction doit être proportionnelle Proportionnelle, à la voilà. Donc, le, dans ce cas de, de Dioulal et contre Béranger contre Dioulal, M. Béranger, tu gagnes ce cas, enfin, ce premier limb, ce premier parti, que la Cour s'est donne une l'injonction. Mais après, il a somme une case. Donc, vous montrez aussi la Cour suprême, les, les, les oscillait. Mm -hmm. il, 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 parfois, il, il donne raison, il guette bien, il analyse. Bon, et vous trouvez qu'en euh, Angleterre, bon, le, le problème le judiciaire n'est pas capable d'intervenir à Bonavini parce que, justement, en Angleterre, il y a une constitutional review comme il a de Maurice. Mm -hmm. Et malgré cela, je me rappelle un cas très très récent que Boris Johnson, qui servit ce pouvoir pour faire une prorogation au Parlement. Écoute, ça qui est arrivé. Boris Johnson ne peut pas bien vers l'Amérique. À peine il a atterri, il a l'avion et parce qu'il est qu arrivé, la Cour suprême, où le est dans House of Lords, Aster, Stel, est dire non, il a fait abus de ses prérogatives. Donc, imaginez-nous qu'en Angleterre, aujourd'hui, il y a un judiciaire qui est très, très proactif et qui est très, très révolutionnaire d'une certaine façon et qui, parfois, moi, avec, vous ne pouvez pas critiquer critique, juge, mm -hmm. mais la posture à Maurice, souvent mon juge, une posture un peu conservatrice. Mm -hmm. Ça, oui. C'est assez fluctueux pour sûr. intervenir dans les Bien sûr, du... bien sûr. Voilà. Mais, par rapport à Mais là, caisses. dans ce cas de Boulal, justement, oui. et quand banen trouvait qui peut être uh, ce ban avocat et ce ban uh, legal advisors uh, dans notre wisdom, comme un avocat, ouais. hein, ils ont trouvé qu'ils ont beaucoup coincé tellement blétain, tellement flagrant, peut-être. Donc, c'est un avocat du speaker. Du speaker, du, du speaker, qu'ils ont concédé, qui, OK, donne nous le temps pour une mettre une case. Et je accepté pas de injonction, oui, mais une frise, c'est un ordre qui ne sorti, une différence avec une injonction, ouais. qui une frise ça. Hein? Et là, ouais. mon pensée, demain, et corps Arvin Boulel, l'honorable Boulel, pour rentrer dans le Parlement, que moi, donne un héros. Ouais, mais mais est-ce <laughs> que dans est -ce, <laughs> ce cas, il, il y a un risque qui perdit ce une case, parce que quand on peut citer l'affaire du Houlal, il dit. The full bench of the Supreme Court had that the court cannot interfere with the internal proceedings of the assembly, and will only intervene if there is an alleged breach of the constitution. Justement, Donc là, vous avez prouvé qu'il y en a un breach Constitution. Justement, qui peut, bon, à plusieurs reprises, on me dit ça, Ruth. Vous pouvez pas combiner un frivolous case, mais là, moi, penser, enfin, pas moi, quoi, monsieur, Monsieur l'honorable Barvin Bouleline prend les avant grands avocats qui me respectaient, pas moi qui vous donne une autre legal advice, une autre et M. Janki, et M. Rambun, et ben les autres. Mm -hmm. Donc, euh, pour moi, il y a un ben, breach of the potential. Moi, je ne dis pas moi qui ne ah. hein. m'a mm -hmm. pas juge. Nous sommes besoin de Humble. Pas. Donc, et potentiellement, il et m'a ben, dit, section 1, il y a section 3, il y a section 12, Freedom of Expression, et il y a section 16, Discrimination. Donc, il y a suffisamment de matière là, ça a bout de qui une cité là, ça mm -hmm. ratio. Ouais. dire ça, 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 ça reasoning ». Main legal reasoning qui est une cité de sa caisse d'Ioulala, il mm y -hmm. a un peu différent. Justement, dans la caisse Béranger d'Ioulala, ils ont pas tellement à la base constitutionnelle, on ne connaissent pas connaît qui est un avocat et l'honorable de Moulel pour faire, mais si justement, la base constitutionnelle qui est l'honorable Orvin Moulel, ce sont les rights are being breached, ouais. ça doit être différent. Autre paire de manches. Ouais. 17h32, le Radio Plus, nous manquons oui. de au cœur de l'info, la suite, dans quelques minutes. Radio Ce soir de la démocratie parlementaire, euh, nos points de départ, c'est le gel temporaire de la suspension euh, d'Orvin Boulel qu'il a gagné en cours, euh, en cours suprême vendredi dernier. Donc nous avons avec nous sur le plateau ce soir Rajendra Singen, signe lecteur en droit à l'Université de Maurice, et nous avons aussi Ivo Tanyan, juriste. Euh, plus tôt dans la journée, nous avons avec Bachir Kodabux, ancien parlementaire et membre de la Parliamentary Democracy Foundation. Bachir Kodabaks, bonsoir. Bonsoir. Ou un ancien parlementaire quand vous êtes parlementaire vous vous quelle faire hein, de ce qui est passé. Bon, nous voulons dire que depuis que ça Speaker qui nous vient actuellement qui prend la présidence de la Chambre nous bien bien déçus en tant qu'ancien parlementaire nous travaillons sous la présidence de Van Grand, Speaker à commencer Sir Valdi, a commencé par ça Harilal Valdi, qui est un monument une référence dans euh, façon qui préside, vous préside euh, les travaux de l'Assemblée. Maintenant, après, il va dire, finalement, les autres, aussi, qui peut-être dans une carrière, ont fait une un débat mais c'est moi, qui suis accepté, je suis accepté que corriger, bien vite. Mais jamais dans les annales parlementaires de Maurice, nous finissons un speaker, qui finit comme aussi bas. Mon besoin seulement dire qu'il ne nous pas limiter nous aux simples travaux de l'Assemblée tels que le speaker est en train de le présider. Mon pensée nous faut une perspective beaucoup plus large. Parce qu'il explique il il nomme pas la majorité. Et la majorité, c'est MSM, et c'est l'agenda du MSM qui peut prévaloir de ce pays-là. À commencer par la mainmise sur toutes les institutions vitales de ce pays. nous, nous nous, nous, nous pensons que l'agenda, c'est de bâcler autant que possible l'opposition pour empêcher qu'il y ait une vérité qui est embarrassante pour le gouvernement et qui est capable qu de causer beaucoup beaucoup de problèmes. Faire surface. Alors, en dehors, l'opposition capable de faire une ben, conférence de presse, capable normal euh, de faire une critique, mais le Parlement, c'est quand même une instance suprême. Et là, si ben, le ministre et le gouvernement lui-même acculé par une ben, question embarrassante, et je te de pas donner une réponse, c'est normal pour aucun gouvernement, ce n'est pas une situation euh, hors visage. Alors, moi, pensez-moi que dans sa perspective large-là, nous inquiétez aussi gouvernement-là. Qui son agenda été qui son façon qu'il gouverne le pays jusqu'à présent. Le Parlement, c'est une manifestation, c'est un reflet de ce que le gouvernement représente. Ce qui le Parlement qui nous a aujourd'hui, il reflète un peu l'agenda du gouvernement. La façon de, gouverne, de, de gouverner de ce gouvernement. Dans une situation pareille, ou pour, pour changer un speaker, ou pour faire au ou en lot l'autre, c'est le gouvernement, c'est la majorité qui est c'est son ce agenda, son objectif qui prévaut. Et pour terminer l'Olam, on peut dire que. C'est un changement de gouvernement, M. Kébizin, dans ce pays-là, pour qui, non seulement le Parlement, mais les autres institutions fonctionnent comme moi je disais fonctionner. Macha Kodabok, vous, vous fait partie de Parliamentary Democracy Foundation. À ce niveau, vous êtes déjà alerte par instance internationale sur agissement dans l'Assemblée nationale. Est-ce que, cette fois-ci aussi, vous étiez alerte par les instances? Est-ce que vous étiez une réponse de, de instance internationale? Enfin, fait, tout, toutes les instances qui nous ont alertées, CPA, Commonwealth, Commonwealth Parliamentary Association, Association internationale française, et pendant un régional euh, body, Eastern Africa, SADEC, tout ça qui est une, une chose de démocratie. Je trouve acknowledge, ici. et à Londres, là-bas, nous tiennons un camarade de, de, qui se repose en nous, il nous dépose euh, en personne un lettre euh, auprès de, de, de l'association CPA, mais comme nous connais, ça va dans l'association-là, nous sommes capables simplement de donner un avis et exprimer l'opinion. Mais je ne vais pas vous condamner le gouvernement parce qu'il n'y a pas d'autorité là. Mais le fait que CPA, par exemple, dise qu'il souhaité que la démocratie parlementaire fonctionne comme elle devrait fonctionner à Maurice, ça serait suffisant pour montrer le gouvernement, euh, je ne pas une the good book, comme on le nous dire, de sa bonne instant ça. Seulement, encore une fois, je vais répéter le gouvernement n'a pas pour changer parce qu'il y, y a un agenda pour lui faire ce qu'il a envie. Ne pas dire « bad governance », c'est ce qui peut passer dans le pays. « governance ». Nous, nous, nous faisons réaliste, et nous faisons honnête, nous faisons franc. Le peuple Maurice fait une période de confiance dans toutes les institutions qui supposent remettre le peuple en confiance, donner le peuple confiance, rassurer le peuple. Vous êtes un à l'instance internationale, mais dans les faits, ça n'a pas pu changer. Dans, ouais, dans, dans, quager, parce que l'instance qu internationale, ce n'est pas, pas qu'un fait nannier, c'est bien qu'il y ait influence, le Maurice comment oui, comme on peut dire, nous ne sommes pas capables de rester les bras croisés aussi. Nous pas capables de causer aussi. Si la liberté d'expression est menacée, nous sommes capables de faire quelque chose. Alors, en attendant que le peuple décide qu'il pouvait pour faire nous, en tant qu'anciens parlementaires, nous qu avons un respect pour la démocratie. Parce qu'il respect, nous respecte, nous, encore, toujours, nous, nos nous, adversaires politiques, nous, nosotros... nous, 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 nous considérons UH, les autres comme simplement adversaires politiques, bandimounes, morichens, avec une opinion différente. Il n'y a pas d'ennemité. Dans ce domaine-là. Mais ça, c'est ben, beaucoup de nous qui en a euh, à cœur, ben, une valeur démocratique et le sens de l'honneur. Alors, je vous dis, nous, 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 il est malheureux que nous constater si nous ne faisons pas quelque chose, nous ne nous pas mon action, si nous ne faisons pas atteindre. merci. Ok, merci. Donc, au fin, écoute euh, l'ex-parlementaire euh, et membre de la Parliamentary Democracy Foundation, euh, Bashir Kodabux. Donc, peut-être, Aïvotania, tu as envie de réagir. Alors, moi, pour réagir, euh, d'abord, pour dire qu'effectivement, il, euh, il y a trois affaires qu'il dit à la fin, là, moi, pour répondre, hein, pour commencer mon réaction. C'est d'abord, il y a valeur démocratique et sens de l'honneur. Comment est-ce qu'il est capable d'avoir une valeur démocratique quand il hérite d'un poste de Premier ministre Comment est-ce qu'il est capable et a sens de l'honneur quand il nous disons, nous avons tout connaît d'énormes manigances politiques pour destituer au propre papa au poste de Premier ministre? Donc, ça va de mot là, vraiment, euh, touche-moi ce qu'il dit là, parce qu'effectivement, il met le doigt sur quelque chose qui manque à notre démocratie aujourd'hui. Les valeurs démocratiques? le sens de l'honneur, le sens de l'honneur pour revenir sur le speaker. On rappelle à la mondiale, à la... y en duty. Libiza fait être respecté par le public, l'opposition, les médias et les membres du gouvernement. Mais qui besoin libuena pour faire être respecté par main différentes composantes de notre démocratie là, s'il si connaît qui whatever he does. Premier ministre n'a pas à ali. Parce que le Premier ministre, là, il n'a possiblement à la même vision que nous, ici, là, de ce qu'est les valeurs démocratiques et l'essence de l'honneur. Je me rappelle que, aujourd'hui, nous pouvons faire face à une situation que dans nos parlements, il n'y a pas de qui nous dit. Je me rappelle que c'était l'année dernière, si je ne me trompe pas. Il y a des gens qui nous dit. Tout le monde, là-bas, dans le micro équipé de micros, et dans un système bien euh, high-tech, parce qu'à ce moment-là, on ne pas ça va être Il n'y a aucune sanction qu'il ne prend. Et c'est clair qu'à ce moment-là, l'injure était à l'adresse des membres de l'opposition, donc l'étivine depuis le côté du gouvernement. Est-ce qu'il nous explique qu'à ce moment-là, il ne rappelle le gouvernement à l'ordre Donc, mon pensée qu c'est qu'il nous tendait là euh, de... Euh, Bachir il est le, le très important qui nous garde certains de là en tête bien, mm -hmm. valeur démocratique, bien sûr, et sens de l'honneur qui malheureusement a absent au dimocro mm. Mm. dans nos parlements. Je crois que quand vous écoute euh, M. Bachir Laboux, vous pensez et to a great extent vous concorde avec l'opinion qu'il a exprimée. et ce qui m'a aussi apprécié quand on va une solution on explique où qui dans qui problématique dans qui complexité et la Cour suprême est confronter Ce n'est hein. pas, pas facile parfois on comprend bande du monde et pas trop d'accord avec lenteur surtout de la cour suprême. le système est comme ça il prend beaucoup les temps on a l'impression aussi le gouvernement actuel comme on analyse la situation et là pas comme juriste beaucoup plus comme un observateur politique et il ne fait un peu, je ne pas expert dans la science politique, mais dans mon cours, il fait un peu de sciences politiques. Le gouvernement a fait ça. Par exemple, si n'observe observe aucune base légale pour speaker, il sanctionne M. Arvin Boulel. Si tel est le cas, quand vous à une base illégale, il prend où il prend un cas et contestation électorale. Il prend trois ans, il fini. Pire, pire qui ça Pourquoi camarade Aïvan, ce parti politique Aïvo, sorry, Aïvo. Aïvo, <laughs> ce parti politique, et M. Sanassi, et, ah. et l'équipe, manjuriste, juriste, euh, avocat et juriste, et vous me ça très très bien, monsieur qu'il et me solliciter, comme consultant, euh, pro bono, sans être payé, bien sûr, et étonnamment, vous trouvez, ça fait pendant quatre ans, presque, et ça, si Extra intéressant parce qu'un like dans d'autres cases qui, le Parti Travailliste, M. Baden, mettait, ça n'allait pas accès à la Constitution. C'est extraordinaire si il y un jugement, mais malheureusement, il n'y a pas gagné. C'est une caisse sur quoi Une caisse de contestation électorale toujours, mais ça va aller côté d'une frontale attaque contre le ISI. Il y a qui ne pas faire l'attaque dans les autres affaires. Mais après 4 ans, le cas est toujours suspendu devant la Cour suprême. Imaginez-vous, 4 ans pour un ex. Prochaine élection peut venir l'année prochaine. a mm aucun -hmm. mm -hmm. jugement. Donc le, le understanding de ce gouvernement, vous avez l'impression, vous dites quoi okay, ça. Moi, I will breach the law. You go and run after the court. Sachant bien qu'il y a la Cour suprême à Maurice. Prends les temps. On peut blâmer la Cour suprême, moi. Hein, mais, moi, les procédures sont telles que mon oui. ben, avocat pour servir tout calte bantrick de métier, que okay, ça pour envoyer, renvoyer, pour continuer à euh, comment on appelle ça, amende, banal, fit David, etc. Et ça, le gouvernement, il logique-là, qu'aucun gouvernement, ni Satch à l'époque, ni Sassi Usaga, ni Namin Ramgulam, ni M. Béranger, il ne fait ça comme ça. Donc, je veux que vous compreniez, vous breachez les droits humains, les human rights, breachez les sections de la Constitution, mais je vous connais, vous pas la Cour quel monsieur Boulal, ce casque de temps y a là Puisqu'il y a un an, Donc, ce premier casque, il l'a émetté. – une plate constitutionnelle, si je me rappelle bien… – Je plate constitutionnel, on va dire, c'est même ouais, si on va tromper, ouais. c'est un décisif suspendu pour 8 sessions. – mm -hmm. 2020, je crois. – 2020, mais après 2 ans, pour combien de pour combien, jugements ouais. Donc voilà, c'est un understanding-là, et c'est que au dernier mot, M. monsieur Barchier, que la BAC se seuse, ce, pourquoi ce, ce. c'est high time, si on a gagner satisfaction sur le plan local, pour une bonne raison, euh, procédure, procédurale. Donc, c'est un item qui va aller dans l'institution internationale. Là, l'institution in qui est très, très importante, IPU. Vous ne connaissez pas l'opposition, saisir IPU, mm -hmm. International Parliamentary mm -hmm. Union. Mm -hmm. et la Commonwealth sur so, 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 les bras, côté parlementaire. et la European Union qui a annoncé, qui, qui a qui alerté. Bien sûr, bien sûr, et la a vous pouvez dire, où, 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 pas patriote. Mais vous ne pas croire, au contraire. Vous pensez que un grand patriote. Comme la loi, c'est que qu'on appelle la loi fondamentale d'un pays, la constitution est bafouée et systématiquement bafouée, il ça est nous dire doit aller à l'institution internationale. Nous manquons une pause pub. cœur de l'info. La suite dans quelques minutes. Radio Plus. de l'info, la suite. Parce que ce soit la situation au donc est-ce que le Parlement, quelque part, l'île est dans un deadlock avec, euh, la, avec tout ce qui peut arriver là-bas euh, Ce soir, nous avec nous sur le plateau, Ivo Tanyan, euh, juriste, et Rajen Nausingen, signe lecture en droit à l'Université de Maurice. Euh, Plutôt dans la journée, nous nous faisons cause avec euh, Michael Acha de Democracy Watch. Michael Acha, bonsoir. Bonsoir. Michael, check, on nous dit la situation au sein du Parlement. On est-ce qu'il nous capable de dire qu'il nous arrive à une deadlock entre Speaker et également l'opposition. On pourrait pour nous l'ont d'autres bains. Maintenant, avec les Nations Unies, que et bouchées entre neutre complètement entre l'USSA, l'USC, le Pakistan, ou d'autres qui peut Irak, l Iran, etc. Et toujours, on ne garder un système neutralité dans une discussion, pour pouvoir faire une discussion là avant. Oh, le Parlement, c'est un, un langage idéalement bizarre, justement, un qui assure sa euh, « equal playing field »,« level playing field », et qui a une neutralité, et qui, naturellement, en même temps, et encourage les débats un débat ou un sujet X, l'opposition, le du monde, le du monde, le du monde, donne un ben, pas ben, point de vue pour renforcer cette idée-là. Ce oh, qui me trouvait, malheureusement, très malheureusement, là, aujourd'hui, c'est qu'elle euh, n'est pas le cas. Je vais prendre un exemple. Hein, C'était pour la dernière élection. Et bien, m. Samin a gagné au gouvernement. C'est une très bonne, forte euh, pourcentage, MMM, même une très forte pourcentage pour ben, ce le travail-ci. Les dans d'un Parlement, qui se le leader du MMM et le leader du poste le, le, le leader, leader dans le Parlement, du poste donc Béranger Goulève, les débalances à ces deux partis-là se dans les débats au Parlement. pas juste a du monde qui est absent là, de personne de, de parler, cest que le parti si, dans un sens. Alors, il qui remettre en question ce qui, ben, ben, qui peut passer en l'absence personne ne parle effective de deux parties qui en, en, en sort, et, et plus qu'il prend 5% des points. Alors, il crée des problèmes. Alors, nous retournons à, à, à la conclusion, c'est qu'il y a neutralité politique, neutralité de, de comportement qui est un chairman, un speaker, un président si. And, euh, beaucoup de postes comme ça, absolument à assurer de notre un point de vue, nous on peut dire moi et aussi mon, mon groupe Democracy Watch, et malheureusement pas le cas aujourd'hui. Est-ce que vous pensez euh, que euh, la nomination du Speaker va être revue Donc, Il y a certains pays, euh, quand nous connaissons, il y a une commission qui met en place, une commission mixte. Quand vous pouvez choisir un speaker, est-ce que vous pensez qu'à Maurice aussi, type as fait pareil, donc une commission mixte, majorité, opposition, quand tu gagné le consensus autour de la personnalité d'une personne et les là comme ça procèdent à la nomination d'un speaker C'est une très bonne idée, que vous dites, là. une très bonne idée en encore. Parce que, déjà, c'est une proposition qui démocratise, démocratique, je fait, il y de ça. J'ai qui une nomination, un chairman, un chef-juge président PSI, etc., etc., etc. Quand le gouvernement en place, ou le, il choisit la personne, se mettait aux États-Unis. Les États-Unis, ils mettaient à un, un groupe du Sénat, et des deux côtés, la République démocrate, qui questionne la personne, Donc, ce passé, ceci, ceci, etc., en posant un pour-vie. Donc, ils proposaient un peu la même chose ici. Au lieu de très simplement, le Premier ministre décidait, bon, quelle personne finit nommer un comité parlementaire qui, pour et a été lié avant, ça que assuré qu'il y a une non seulement de qualité, mais qui est justement neutre et qui peut faire le travail. Alors, certainement, pourquoi cas, cette suggestion là pour l'expliquer, est nécessaire, parce que, l'expliquer, justement, y, pour faire l'expérience, c'est un l'expérience, mais l'expérience, n'a pas de, du parlement. Expliquer, bien sûr, level playing field là entre les différents membres du parlement tous élus pas de dire élu par le peuple là on a le droit d'être là et de et de et de d'intervenir de parler alors soit nous assurons ça eh, roulement de la démocratie là ou si nous pas assurons Question question et nous une opposition, on dire là. Et pourquoi une, une, une situation aussi, que c'est peut-être le temps de, de trouver quelqu'un, je nouveau explique, qui serait acceptable à tous les partis, à tous les élus. Parce que justement, tous les élus, ils sont déjà choisis par le peuple qui l'a, qui a le droit d'être là, qui a le droit d'intervenir, qui a le droit de pouvoir s'exprimer et, et avancer le pays. Est-ce qu'ils ont dit nous on sommes toujours cause d'une démocratie parlementaire? Oui, d'une démocratie parlementaire. Comme beaucoup de pays africains, enfin parce que tout finalement, c'est un pays que la démocratie d'ailleurs très bien. au Soudan, on très, mal, très malheureusement. On a beaucoup de respect pour le Soudan. Et en général pour un peu le pouvoir. Pour les autres, de haut, et l'opposition est tout. Je te dis, nous sommes 14 du volume hier. Alors, Certainement, comparativement, Maurice, une démocratie parlementaire, c'est une démocratie parlementaire. Mais sur le fonctionnement de certaines choses, à revoir. Mais il n'y arrive pas à tout ça. Hein? Comment la route est dans le cas, dans le cas, dans cas, 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 il peut faire un bypass, il peut faire un repoint, il, il, il peut arranger de façon. Parmi enfin, les lieux, lit. Alors, oui, notre démocratie parlementaire, sous une... Sous une euh, And query and question mark and malfunctioning, et bien sûr, nous vous adressons ça. Mais non, mais sinon, définitivement, nous n'avons une démocratie parlementaire. L'élection à intervalles réguliers, 100% correct, pas qu'un fraude, etc. Nous, nous très fort, Maurice pays dans ce sens-là. Euh, et adimoune me dit qu'il faut revoir le fonctionnement euh, du Parlement à certains niveaux. Donc, euh, oui, le, le, le Parlement a fait ses preuves, euh, il permet permettent de, euh, de fonctionner de manière démocratique euh, durant toutes ces années. Mais seulement moment me dit, dire, voilà, cette 55 ans après l'indépendance, il est temps de revoir certaines choses. Par exemple, de rallonger euh, les, les, le temps accordé à Mannequestion question au Premier ministre, le temps accordé à question au ministre. Donc, est-ce que vous pensez qu'il nous bizarre dans ce sens-là? Le est bizarre dans ce sens-là, absolument, et pour améliorer le fonctionnement du Parlement. Il y a une suggestion que les va ont récemment, quand il abrogeaient le Parlement l'année dernière, en disant, pour faire réunion en mars, fin mars, ils étaient venus en disant, mais entre ces trois mois-là, il y a des choses qui arrivent dans le pays et nécessité que le Parlement est rencontré. Naturellement, pas naturellement. Malheureusement, aucun euh, euh, article Donc, la nécessité de revoir certaines choses, inclut pas de vacances parlementaires aussi long que ça, peut, euh, à aucun moment, peut, aucun débat, rien euh, au niveau du Parlement. Il y en a beaucoup critique le comportement, Speaker. mais est-ce que l'opposition parodie ce parodée, des fois Écoutez, le mot, le mot n'est pas correct. Roder n'est pas correct. Le parlementaire est élu par le staff. Au Parlement, il a absolument le droit d'intervenir. Et d'intervenir pourquoi je dis, c'est ce genre d'intervention qu'il peut faire, sinon, il défie le peuple. Quand il y a un parlementaire d'une opposition, forcément, pas forcément, probablement, il n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Il, 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 il représente le peuple en disant non, mais moi, pas d'accord avec ça. Il est un coup, un d'une un, réponse dès qu'il arrivé, corriger, etc. C'est ce rôle, ça. Alors, bien sûr, il faisait son rôle-là. Si quelqu'un utilise le langage anti-parlementaire, ça c'est très dommage. Ça, bien sûr, nous cas, assez atteint, contre les autres, c'est la moindre chose. Mais ça, c'est un minor point. Le droit à la parole, le droit à l'intervention, le droit aux questions, le droit aux réponses, essentiel pour le fonctionnement de la démocratie. Michael, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà donc nous finissons l'intervention de Michael Atcham, membre de Democracy Watch. Donc uh, Ivo Tania, nous aussi souhaiter réagir par rapport à ce qu'il indique, uh, peut-être sur le fait qu'Arvin uh, Boulel n'est plus dans le Parlement maintenant, uh, qui ça représenté Oui, effectivement, le type de sanctions qu'il impose, docteur Orvin Boulel, uh, exagéré. Et en fait, me rejoins ce qui uh, Monsieur acha fait dire par rapport au fait qu'il y affaiblit un parti qui faut euh, en termes de représentativité dans l'opposition. Quand ce chef de file n'est pas là. Quand ce file, chef de file n'est pas là. Mais parce pas que, que, que ça... Parce que son ce argument, c'est euh, donc Paul Béranger n'est pas là. là euh, Orvin ouais. Boulel, chef de file, Parti travailliste, n'est pas là. Et ces deux parties, ces deux parties ensemble, j'ai euh, en termes de pourcentage, une majorité de vote à euh, dernières élections. Absolument. Donc, là, on a raison, là, parce qu'effectivement, le docteur Orvin Boulel est un membre éminent du Parti travailliste. C'est Andy moon dit qui, bon... Bon, c'est pas lui qui est présenté comme premier ministre par le Parti Travailliste. Mais si c'était lui, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de dissensions qui partent pour exister au sein de ben, différentes euh, composantes de l'opposition parlementaire et extra-parlementaire. Mm -hmm. Si c'était la candidature de Orvin Boulel, ben, c'est sûr qu'il est beaucoup plus rassembleur des de mots point de vue. Maintenant, donc quand on lève un Jimoun comme ça dans l'équipe euh, parlementaire, on affaiblit l'équipe là parce qu'il déjà. De part l'expérience qu'il y a dans le Parlement, il est capable d'aider mm -hmm. ses collègues oui. parlementaires de manière à ce qu'ils représentent ce point de, de, de manière plus étoffée et, et mieux arrondie, vais dire. mais aussi peut affaiblir le parti lui-même, parce qu'ils sont membres éminent, pas capable d'être dans le Parlement. Mm -hmm. Ça, c'est un aspect que je rejoins, euh, monsieur Hatcher. Par contre, je ne pas rejoindre quand il y dit qu'il n'y a pas démocratie parlementaire. Et avant qu'ils me répondent à ce point-là, il est important qu'ils nous guettent les choses d'une perspective euh, plus grande. Mm -hmm. Au niveau international, aujourd'hui, dit, j'ai envie de dire que le système parlementaire est en panne. Quand nous guette la crise que la Grande-Bretagne traverse après le Brexit, dans sens, trois premiers ministres, ils arrivent quatrième. là, qui fait Parce qu'il y a une crise parlementaire. Mm -hmm. Quand nous guette la France aujourd'hui, qui la France peut traverser la France peut traverser une crise sociale parce qu'il y a l'utilisation d'une section de la constitution qui appelle 49.3, 49.3 qui lui permettent, lui permettent qu'il vote la loi sans débat. Okay? Donc, moi, je pense que le système euh, démocratique qui repose le parlement, aujourd'hui, il y a en crise dans le monde. Il y a en crise dans le monde parce qu'il s'est cyclique. Faire, pour Maurice, faire 50 il 50 ans qu'il est en place. Pour la France euh, faire, euh, ça veut dire faire 60 ans. Pour la France faire 60 ans. Pour la Grande-Bretagne, bon, là nous plutôt des centaines d'années mm -hmm. qui en place. Mais arrive en point que, euh, il arrive à un point-côte. Libizan, voilà, l'île les soufflée, et voir Et l'autre point-côte, pour rejoindre ni, parce que ça, ils font partie de nos programmes au LPM. Nous nous disons qu'Libizan d'un un appointment committee. Vous connaissez, il y a fait qui est arrivé dans différentes constitutions qui sont dans nos pays. Si nous remontons depuis le euh, 18 siècle, hein, 1790, Vignem, Maurice, nous avons une constitution sous l'ère française, nous avons un texte constitutionnel sous l'ère britannique également, mm -hmm. qui nous trouvait, au départ, dans nos constitutions, le pouvoir de nomination était concentré sur le représentant de l'exécutif. Au départ, nous hein, avons une première constitution qui est là. Vignem, jusqu'à la fin du XIXe siècle, Côté là, ils permettent de ben, membres de la population locale rentrer dans le conseil du gouvernement et nous gagnons, j'ai envie de dire, une représentation au moins. Ce n'est qu'à partir de 1948, dans Maurice, que nous constitutions pour diluer le pouvoir de l'exécutif qui était alors détenu par la, la Grande-Bretagne, le gouverneur. C'est lui qui détenait les pouvoirs exécutifs véritablement. Donc là, à partir de 1948, pour diluer ce pouvoir-là, pour donner plus de pouvoir au conseil du gouvernement lui-même, qui nous trouvait aujourd'hui. Nous trouvions aujourd qui avec la constitution de 68, ben, tous les pouvoirs sont à nouveau re reconcentrés. L'eau, la personne du Premier ministre, vous connaissez pareil, comment dire, des camps, à l'époque de, de, des camps, qui était donc un gouverneur de Maurice, nous pécose euh, au XVIIIe siècle, comment dire, nous retourne en arrière à une époque d'il y a 200 ans de ça, et nous réconcentrer tout pouvoir. Chez la tête du Premier ministre. Il faut bien être conscient que ceux qui ont voulu ça aujourd'hui, c'est justement les belligérants d'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui depuis 50 ans. C'est eux qui ne l'aient ça. C'est eux pas qui la ne l'aient concentré. C'est la Constitution qui permet ça. Oui, encore une fois, nous, bien que ça t'aille là, il y a une question d'interprétation, il y a une question de comment est-ce qu'on veut. Faire les choses, est-ce qu'on veut faire les choses en consultation ou alors on consulte juste pour la forme, on dit « oh, venez, me consultez-vous, ouzis là, pour ça ». C'est pour ça qu'au niveau du LPM, dans nos partis, dans, dans nos programmes de gouvernement, nous disons qu'il y a un appointment de comité qui sélecte les candidats pour les différents postes. Et ensuite, bien sûr, il y a un postes que le Premier ministre directement a ce mot à dire. et mais c'est pas le premier ministre dans ce petit coin avec des trois dimuns qui voit le décider qui s'en allie bouvine posté l'oban 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 m'envie dire ban euh, ban chevilles de nos constitutions, de nos démocraties pardon qui garantit nous justement une république démocratique et souveraine. Pour vous revenir à la nomination Speaker est-ce qu'il n'est pas capable d'avoir un vote à bulletin secret euh, par rapport à Speaker? Non, mais enfin, de mon point de vue, certainement, à l'opinion là. De mon point de vue, si déjà pour non speaker, speaker ou peut-être pas sur une vote, mais nous enlève l'élément fort de ce qu'est le speaker. L'arbitre sur un terrain. Moi, réponse à l'exemple, là, qui prend au départ, mm -hmm. qui me prend un de mes collègues d'ailleurs, qui nous a vu ça dans une des émissions dimanche. L'arbitre sur le terrain, il fait consensus. Quand moi, moi, je jouais au basket, moi, je jouais au football, me je trouvais l'arbitre le terrain. Nous ne pouvons pas l'assiser, pour le voter en disant est-ce qu'il nous d'accord que ça l'orbite là ou pas Il défeat the purpose si nous visons atteindre cet élément-là. Mm -hmm. Et puis l'autre élément qui est important, et un autre élément qui m'a dit, d'aller là. La séparation des pouvoirs implique que chaque branche du pouvoir ait une certaine maturité. Mm -hmm. Donc, si encore une fois, nous ne pouvons pas sur cet élément de vote-là, mais encore une fois, nous enlève cet élément de maturité que cette branche du pouvoir on va appeler le législatif, là, et non pas l'exécutif. Mm -hmm. Le législatif, c'est le Parlement. Hein. Ouais. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire sont les trois branches euh, du pouvoir. Mais là, c'est le législatif qui doit pouvoir faire euh, consensus, on va dire, sur une personnalité qui peut euh, vraiment être cet arbitre et n'a ça respect de, de la part de tout bon membre euh, du Parlement. Vous, oui. Rapidement, on <coughs> Souvent, nous bien sûr, moi-même comme euh, juriste et... Euh, académique loyer, mon mot pays a une tendance, et peut-être dit bon, on reste dans l'aspect technique un peu, focalise lo, la loi. Mm -hmm. Mais malheureusement, je de dire, si je moi, 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 tiens mon chapeau d'un juriste, d'un académique loyer, il dit pas, everything does not boil down to a question of law mm -hmm. and regulation. Vous savez, c'est une question de culture. Oui. Et là, je ne vais pas inviter monde qui, moi, pour ne pas commettre aucun impérat, je vais vous dire l'actuel speaker. Mm -hmm. Et ben, du monde qui a eu une future speaker, je pense qu'il y a une élection bientôt, je à la un grand, grand speaker, même en France, hein, où vous trouvez euh, à l'époque, en 1958, Jacques Chambon Delmas, le maire de Bordeaux, a fait cette déclaration qu'il a fait. Il vient dire que moi, enfin, le, le, la personne, le maire de, de Bordeaux, il a dit que moi, je suis speaker, je pour speaker vraiment être neutre et faire honneur à la Nouvelle République. Et moi, je dis, moi, c'est moi qui ai envie, pour ne pas commettre aucun impair envers l'actuel speaker, je vous je vais faire un YouTube de John Bercow, l'ancien speaker, et même l'actuel speaker de l'Angleterre. Parce que moi, je il dis, la loi, il dépend dépendent pas la culture, il dépend d'une façon. Je vais faire, par exemple, un YouTube de Vagdi, mais c'est command faut the language. de la langue, beaucoup de tact, beaucoup de souplesse, un sens de l'humour, ou soit capable de comprendre du monde. Et parfois, il faut faire comme dire, ou pas attendre. Si vraiment mon envie que la paix règne dans le Parlement, puis livre vraiment, vraiment, if you mean business, que le Parlement est un temple of democracy. vous retrouve l'actuel speaker souvent et cite ça à, à, à longueur de, de journée. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Parlement n'est pas un temple de démocratie. Donc, bizarre. donc, faut laisser un speaker là, qui est dans l'Angleterre. Le speaker, il paraît, peut-être Pierre, peut Pierre maurice Horace, il, il émane d'une majorité politique. Mm -hmm. Mais le speaker, une fois élu en Angleterre, il prend distance avec political parties. Mm -hmm. Donc, il n'est pas suffit, on n'est pas tellement d'accord. Je vais mettre l'idée, et Ivo fait dire ça, vous faites un, 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 un comité mixte un parlementaire, euh, nommé Speaker. Même là, s'il n'est pas, pas pour suffisant. Vous avez un du monde qui peut, oh, qui capable, même s'il est en politique, il mm -hmm. prend une distance. Il y a est et tout un certain euh, euh, l'ancien Kailas, président Kailash-Poriol. Ils prennent une distance avec d'autres political parties. Et en France, pareil, il y du monde qui siège dans le Conseil constitutionnel. Je ne pas capable de nommer pas Chirac, je ne suis pas Mitterrand, pas Hollande, mais tout, tout, tout très très vite, après un mois, deux mois, je prends une distance avec les political masters. Même nous, nous connaissons l'ancien chef-juge, l'ancien juge, et là qui à cause quand je sortie de, 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 du judiciaire, je vraiment, reste toujours indépendant. Mais malheureusement, un des trois, l'ancien ancien juge, vous avez envie de gagner 6 contrats, vous avez envie d'être nommé par 6 pas, là, ben, L'ancien juge, moi, ben, donc, je vous donc vous toujours de faire un petit lobbying pour vous-mêmes gagner ça. Mais parmi les anciens juges, peut-être, ou la bande du monde, qui pour God, jalousement, vous êtes l'indépendance, mm. et là, si le leader de l'opposition et le chef du gouvernement, capable de mettre la tête ensemble, nous du monde de sa calibre-là, là, là peut-être, nous capables, ce n'est pas une question de la loi, nous capables de mettre un standing order, à longueur de journée, parce qu'il faut obliger d'une certaine façon de pouvoir discrétionnaire mmh. ouais, le speaker. speaker. Parce qu'il peut être vraiment de à, vrai à des ordres aussi. Mmh. Donc, vous avez un certain pouvoir. Mais mmh. que vous avec tact, avec souplesse et dans l'esprit de fair play. Et je crois que Michael Acha, il dit à ça que vraiment la neutralité et l'impartialité, deux mots-clés qui est l'actuel speaker et le ben futur speaker, il faut qu'il a la neutralité et l'impartialité. Bon, on a des trois affaires qui, M. Michael Atia, bon, un grand professeur au MAI et aussi qui fait ben, plusieurs travails au niveau Nations Unies, mais des affaires qui me beg tout differ est-ce qu'il y a une démocratie parlementaire Par exemple, vous pouvez voir de façon, ou interprète sa section, l'OPNQ. Un, un speaker qui vraiment amène ce rôle d'une façon neutre, tout de suite, même si un ministre peut « beat about the bush mm -hmm. », peut faire les tours de sa question, M. Xavier Duval, pour ne pas saper, pour lui redesser saper ce, ce ministre, il n'est pas supposé laver une défenseuse du ministre. Il mm -hmm. est supposé, lui, intervenir, dire « le Ministre, gentiment, et I well, think you are going too far, your introduction is too long, you have to stop, vous arrêtez, Monsieur M. le ministre, and, and speaker, qui vraiment envisage sa rôle-note-là, et si vous allez fait comme ça. » Deuxième point, oui, le « free and fair elections oui. », moi, monsieur, avec tous mes respects, beaucoup, monsieur Michael Atcha, bien, mm -hmm. collègue, mon papa, il n'est plus là. Mais avec tous mes respects, beaucoup, monsieur Michael euh, Atcha, vous le verdict de, du uh -huh. premier council Et là, moi, moi, pensez, moi, moi, mes, moi, Il y a plusieurs, moi, mon pensée, suis encore convaincu qu'il y a beaucoup de manquements dans nos façons de organiser l'élection. Et c'est high time parce que le gouvernement d'aujourd'hui, de demain, il n'est capable de dans l'opposition. Il est capable de subir les mêmes affaires, les mêmes donc, il s'arrête qui nous revoir la loi électorale et même façon dans façon nommer le président du Électoral Commissionnel, est très bon, mais encore, il faut dire qu'il y a du monde qui nomme lui, même dans le mécanisme indépendant, comme le Judicial and Legal Service Commission, est-ce qu'il lie en un l'indépendant indépendant La question reste posée. Donc, avec tout différent, tout ça, c'est avec M. Atia. Parce que l'Électoral Commissionnel n'est pas éternel non plus. Nous, pour Mokan Pose, rapidement, pour synthèse d'informations avec Anne Toukia. Vous écoutez la meilleure radio de la, de écoute des des radio de la bande FM. Radio Plus, Radio Plus, qui pose ces informations avec Anouk Dukia. Anouk bonsoir. Bonsoir Ruth, bonsoir Zotou, Rajesh, Ramnaren réclame l'immunité de l'ICAC pour collaborer dans l'enquête à l pot de vin allégué autour en baille d'un terrain dans la région Grand Bassin. Ex-Chairman Sugar Investment Trust, Stephen interrogé Interroger, Underwarning, grand matin dans la commission anticorruption. l'IT accompagné de son avocat, Maître Joy Biari, se demande pour prochainement étudier par l'ICAC en consultation avec DPP. À nous faire le point avec chezad Jadou. Section 50, Prevention of Corruption Act, décrit ben vous, ou ça, ou à ban pouvoir qui l'ICAC n'a pour interroger un comme témoin ou comme suspect. Sa section la loi là, lui permet l'ICAC pour tirer ban pour qu'il permette ban enquêteur pour examiner ban documents ou sa ban outil informatique. Sous section 4, cause, l'eau immunité. Pour qu'un individu gagne l'immunité, pour bien une consultation entre directeur général l'ICAC et directeur poursuite publique. Tout sa ban élément qui sa d'immun là, fin fourni de l'enquête là, pas pour capable de servir contre lui. Devant un qui document ou sa ban prévue informatique. Fin des années n'a ben, imitée dans les passés et fin et n'a certains qui finit accepter Sa action là, li pour être l'enquête qui finit commencer depuis plus qu'un mois. Radisram Ramnaren, ses premiers suspects qui ne convoqué under warning, tandis qu'il y a des les autres qui entendu entendus, témoin. Et Maître Joy Biary dit qui est client, prêt pour collaborer avec un enquêteur et que le une réponse de l'ICAC suite à cette demande. Propos qui de recueillir par chez Zadjadou. a un les services de, service de mon camarade Gavin, Gavin Glover et moi même Et il y a une instruction claire qui dit envie qu veut collaborer avec la commission pour faire la lumière sur tout l'épisode. Cependant, sa démarche-là, il veut dire qu'il y a une implication légale concernant nos clients. Et à la suite de ça, nous faire euh, nos représentations auprès de la commission sur la section 50 de POCA pour gagner certaines garanties. Et donc maintenant, nous attendons que la commission est euh, la balle dans le temps des autorités. Ban parlementaire opposition unanime une conférence de presse aujourd'hui après-midi. une réclame d'émission missions speak à l'Assemblée nationale. Xavier-Luc Duval a fini d'abord dire qu'il point faux séance parlement des mains tout à Boulel. L'in remercier le député travailliste qui promptement et que l'IP dénonce une tentative museler Ban député l'opposition, Xavier-Luc Duval, propos qui finit à par Didier Rose. C'est vrai que c'est rare que le judiciaire intervienne au Parlement, mais dans ce cas flagrant, quand le Speaker fin agir contre la loi, ben, le judiciaire finit de faire honneur au pays, et mon on remercie le judiciaire pour son action. Qu'est-ce mm. Qui peut arriver si Arvin Boulel ne la C'est ça qui est important. Qu'est-ce Qui peut arriver si Arvin Boulel ne à la cour? Dès Arvin, des semaines, un autre député, tu peux dire quelque chose en dehors du Parlement, tu pourrais suspendre. Donc, ce serait le speaker qui, vient à qui arrive à museler l'opposition. Il est impossible qu'il pénance en sanction. Il est impossible que c'est business as usual. C'est pour cela que nous demandons d'une seule voix la démission du speaker. Jean Rival de tout qui recherché par la police et arrêté, bonnet à Grand Matin, Zodi à se sorti des pièces discothèques dans Grand B. La police pérodit pour plusieurs vols dans les noms. Il n'avoue pas moins que six cas voles, ce' six vols, mais selon l'enquêteur, il est impliqué dans encore un Parmi Ban qui Jean Rivaldo Esplacatou fin avoué, c'est sa participation dans attaque' de ressortissant français le 7 avril dernier. Côté coquin, bisous et casse pour sa touriste là. Là-dessous fin saisit plus qui 500 000 rupies la drogue côté de madame 34 ans dans résidence Sainte-Claire dans Goodlands, aujourd'hui gramatin. Fin retrouve l'héroïne, la drogue synthétique et fin aussi retrouve une balance électronique lors de sa opération là. Là-dessous, type des PN7 en l'étang, Placée en détention, une touriste française qui est à 78 ans finit noyé noyée dans la région île aux aigretières. Les retrouvailles en difficulté lors d'une baignade, l'autopsie finit attribuer ce décès à un asphyxie à cause noyade. Sa ressortissante française fin arrive Maurice la semaine dernière. À nous cause endettements ban ménages à présent, pro prochaine réunion politique monétaire, ça mois-là. Ban association pour protection consommateur et ban économiste a péplaide pour qu'il maintenir key rate à 4,5%. Ban association emprunteur dit que ban paye a difficulté à cause de l'intérêt qui paye pèse l'eau dans le porte-monnaie des banes mauriciens. C'est un dossier de Émilie Payenne. Michel Ordi, depuis l'association emprunteur abusé catégorique, malgré situation difficile, qui rate, bizarre et pareil. On a des gens qui ont des, des endettements qui durent depuis longtemps et qui nous contactent. Puis, euh, la BOM va décider en fonction de ce qu'elle pense pouvoir contrôler l'inflation. Si elle pense que l'inflation, surtout l'inflation à peut monter encore, elle va probablement augmenter les taux. Je pense aussi qu'elle peut prendre en compte le fait que les gens ont beaucoup de problèmes qu'on vient d'évoquer et donc de laisser les taux inchangés. Changer de coût dans l'économie, docteur Takesh cache le coup, la Salavilla. là. On nous connaît qui l'inflation reste à un taux très élevé, la vie très chère, parce que même si le chiffre de l'inflation est un pourcentage, une baissée de nous trouver le coût de la vie, par l'idée d'aménager à augmenter, une, une, une proportion humanitaire capable de les séparer, mais la tendance économique fait que si nous, on veut suivre la tendance, pour une augmentation de à peu près 5 à 0,5 à 0,7. L'économiste Vinian Ancharaz peut dire qu'il autorité peut faire face à un véritable dilemme. En même temps, nous pouvons faire face à l'inflation de presque 9,5%. Alors qui ce besoin de faire pour capable contrôler cette inflation-là On besoin augmente d'intérêt. Donc, c'est un dilemme dans la conjoncture qui nous était. La meilleure des choses, c'est laisse -ce qui réporait inchangé pour le moment. L'observateur bon, observateur économique pépé, qui est une situation stagflation qui peut danser pour ban ménages qui ne pour capable rembourser ban prêt à ban taux d'intérêt plus serré et qui se peut pour payer en même temps ban produits et services à ban prix et plus augmenté. J'ai dit, l'école finit de et que certains professeurs dans le grade D qui qu'ils ont confusion après qu'ils ont élèves grade N fin rentre dans une classe. Ils ont écolier là fin rentre dans le grade D après qu'ils ont une passe à une évaluation qui est dans maths, anglais et français la fin du premier trimestre. Une décision qui prend pour corriger rétor accumulés à cause de la pandémie Covid-19. Certains professeurs peuvent poser des questions si ils continue ce programme ou soit reprend si la bosse pour ne pas pénaliser ce qui ne fait dans une classe. Solliciter un préposé, ministère de l'Éducation finzi nous qui travaille et continuer selon le programme qui est établi Si la bosse, pas sans zé et que pénalité recommence selon ban autorité. De haut la justice euh, français finit tranchée à dans procès Air France et Airbus dans l'enquête elle au crash. Un avion qui t'y Rio à Paris. Un drame qui est arrivé les 1er juin 2009 et qui fait des 128 morts. Et tribunal correctionnel Paris finit haut de cause. Des entreprises à qui, si ban faute, n'y de causalité certain avec accident pas capable démontré. Dans ban l'école dans l'État Bengal a fini fermée pour une semaine à cause de faire trop saut. Hier, il y a 11 qui décédé à cause d'un coup de chaleur pendant un rassemblement près de qu'il peut faire 38 degrés Celsius. Et puis un mot football avant de terminer en Premier League. Liverpool a déplacé à Leeds, Zodi à soir. Voilà pour ce point info. Merci au Fin Suivli. L'émission au cœur de l'info peut continuer avec Ruth Rajessa, Patrick Hilbert et que je t'invite. Radio Plus 24 heures sur 24 7 jours sur 7 Patrick Hilbert. De retour sur le plateau pour nous deuxième partie de l'émission avec nous sur le plateau. Rajen Norsingen, signant lecteur en droit à l'Université Maurice et membre du Parti Travail. C'est Ivo Tanyan, juriste et membre de l'Union PEP Mauricienne. Donc, nous sommes au Parlement. Et que son fonctionnement, aujourd'hui, l'opposition parlementaire réclame des missions speaker. Donc, à part de réclame des missions speaker, est-ce qu'il y a une autre action qui l'opposition parlementaire est capable prend, disons, content speaker, si ce n'est pas content le speaker? Don't know, Sur le plan du droit, on trouvait que M. Boulel pouvait avec son main case. Oui. Donc la Cour suprême, éventuellement, pour gagner l'occasion, prononce-la. Et ce qui inspique si a man, man, man disposition dans le standing orders, si il man disposition dans Constitution, Et au début ou au milieu de l'émission, ou tu cites une section 48, 48 oui. Mais là, mondial, il faisait en euh, euh, compliance, c'est-à-dire respectant les dispositions constitutionnelles qui sont suprêmes. Donc, à part ça, sur le plan légal, je pensais qu'il y a une bataille politique. Et je pensais, moi, moi au-delà de la bataille politique, pour moi, comme un euh, académique laurier, qui me avec une distance, et je trouve a beaucoup plus est un problème systémique. Parce que quand il y a un abus de ban de, de speaker, même dans le passé, on dit, oh, il y a un certain speaker dans le passé, je ne mentionner le nom, une personne qui s'y fait certain abus. Mais il y a un speaker, même M. Même Alan Ganou, hein qui était ministre, je vous rappelle, il était speaker à l'époque. Et Alan Ganou il doit être commendé. Il était un bon speaker. Comme ministre, on ne va mais, pas le connaître, mais comme speaker, il s'y fait bien. On a M. Razak Pirou, qui est un avocat chevronné. L'ici, il y a des fois, il y a une bande euh, de personnes du monde, oui. Mais, je pense, plus ou moins, il consensuel. On a M. Kaylas Mouyag aussi. L'ici, il y a des fois, il y a par les circonstances. Pas biais, speaker, il n'y a aucun expliqué. Il bizarre qu'on ait un ange qui ne soit pas expulsé du monde. Oui. Mais avec tac, une façon, on ne peut pas crier, on ne pas nerver, on ne pas exciter, on ne pas faire une bounce. seulement l'expulsion a toujours été une. En aussi, a hein. toujours été un dernier recours, ça. Oui, un, un dernier un, recours, bans, parce que un, parfois, on faisait appeler, causer, faire un joke. Ça euh, amène ça à l'esprit de camaraderie. Et parfois, avec un joke, on a des amours, c'est une crise. Je vous ai nous l'exemple au début de Sassi Sagor qui dit et il pas bien ça bullshit, après l'état speaker réel écouter il a, il a, il a, il a avec ce humour et bonhomie. il dit non mon, ça le mot bolchevique vraiment vraiment proper recording vraiment le speaker <laughs> la façon dont il prononce le mot bullshit et bolchevique pan, pan, pan trop capable euh, euh, donc ça, ça fait d'accord ben, qui pas bizarre, et peut-être le, le grand speaker d'alors, si vous risquez d'expulser, mm -hmm. c'est un problème. C'est un business. Donc, vous dire, qui okay, je pense Il y a un problème systémique. Nous, besoin mettre mettre la tête ensemble, ban juriste, ban avocat, l'opposition, le gouvernement, on n'est pas les intéressés. Parce que souvent aussi, je trouve, comment dire, je connais la personne, le speaker. Dans la vie, vous ne qui, pas qui, uh, qui monsieur Béranger ou les MMM reproche ben t parce que nous pas dans les secrets des dieux. Mais comme personne, c'est pour ben vous dire il y a un bon vivant, il y a un bon... en haut du Parlement, il y a un sens de, de l'humour, il est content ben, de faire des le plan personnel, beaucoup, de Mais souvent, je me focalise le, le monsieur, euh, le speaker, mais il fallait pour tous les péchés d'Israël. Mais vous pensez c'est toute une stratégie qui l'opposition parfois pas assez focalisée. Vous pensez le leader of the house, le premier ministre, au début, quand est, est qu il Ali Ali et si veut dire, comment dire bon, qui fait une choisie Ali, vous pensez, c'est deliberate ». Un du monde qui empêche pour le moment le, le Parlement fonctionner. Et c'est pas nécessairement, bizarrement, le speaker. Si ça, que si ça... Si l'opposition a ce port à jouer. Non, l'opposition a ce port à jouer, mais peut-être la, la, la personne qui est vraiment blâmer le Premier ministre, parce que c'est lui qui a la prérogative pour proposer le nom. Ouais. Mm -hmm. Le nom de la personne, comme je l'opposition n'est pas capable de contester. Non, pas capable. Parce qu'il n'est bon, pas capable de proposer le nom, ou le connaît d'avance ou on le perdit. C'est à cause ça qui la plupart, la majorité des cas... Quand, propose, quand le gouvernement propose un speaker, il y en a la majorité. Nous disons euh, peut peut-être un vote oui. euh, bulletin secret. C'est des enseignants qui proposent, Est-ce que c'est la majorité. Donc, c'est la majorité, que... vous êtes la majorité. Ah. Comment êtes-vous capables Mais... d'avoir un a... du monde Mais... comme ça a... Donc, mar... comment vous pensez, oui. si vous avez une vraie consultation, soit quand nous s'est causé au début, il y a un vrai comité mixte, qui choisit le speaker, mm -hmm. et que vraiment l'idée de l'opposition là d'accord, parce que consultation et là, je réussi à trouver un compromis. Mais comme nous étions là, je pensais, à tort, peut-être, nous avons taper le spic à là. Je pensais, la part de responsabilité revenait aussi au Premier ministre. Mais, mais cela dit, nous avons fait ah, un appointment de commission. Je suis content de répondre à ce point-là. Qui nous capa capable faire Et bon, Rajen, là, me colle il rentre dans plein d'explications très techniques et surtout très pratiques par rapport à comment Kara fait promener la situation. Maintenant qu'on n'y arrive pas, moi, tout le temps, je me disais ça. Et. Il y a pour autant qu'il nous rappelle qu'il a la souveraineté du peuple qui exprime des manières, dans les urnes et à travers ma manifestation. Je vous dis, bon, moi, je pense une un député du MMM au plateau, même ici, qui a trouvé qu'il, quand LPM manifestait, c'était abusé, fait n'importe quoi. Je pensez qu'il a assisté, il est bon qu'il reprenne sa mode d'expression de la souveraineté du peuple là et qu'il est tout bon membre de l'opposition en protestation, manifester devant le Parlement, même 10-15 minutes avant votre entrée, par rapport à ce speaker-là. Pourquoi une Oui, 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 mais ça ne suffit pas un seul mardi, parce que la cabine de la personne que nous avons en face, à elle pas, dit ça pas pour impressionner, ni ça. Pour des raisons importantes. Premièrement, parce qu'il y a une... Euh, est pas une loi, hein? c'est un règlement intérieur qui établit, je dis, qu'il manque cinq citoyens comme moi. Zouk là on peut faire des autres dans le Parlement, mais PN a droit de manifester dans le C'est terrible. Mais les, les, les parlementaires, définitivement, peuvent le faire, parce qu'ils qu peuvent arrêter ils là avant de rentrer dans, dans le Parlement, parce qu'ils peuvent manifester. Donc, je pense que sa manifestation des bandes parlementaires de l'opposition. Moi, je me soutiens ça à fond, je dire qu'il y a un autant qui banne les parlementaires de l'opposition, qui font. fait Zot fait parce qu'ils se rappelle à la population aussi. Que la souveraineté du peuple s'exprime de deux manières, dans les urnes et pacifiquement dans la rue. Et Mania Xenferi, qui ça une faire Ça inspire un citoyen, mon rappelle Zot, qui la semaine dernière, Ruben Pillet, il a soutenu soutenir, manne parlementaire. Mm -hmm. OK Donc, ça, c'est très, très positif pour notre démocratie, pour que notre démocratie ait une soupape. De, de sécurité. Parce qu'il, Zorodizou, Dimounla, quand il a sur la case, quand il a ce qui peut dérouler dans le Parlement, le comportement de, 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 du gouvernement et, et du speaker, mais, mais il est tout fait. Il faut dire qu'il est capable, dire comme ça, non, moi, il a pas ça, plat, encore cette là. ça, sa possibilité possibilité ça, ça, c'est un point. L'autre point qu'ils sont capable de faire aussi, je pense que ça Rajaninko, ça, là, tout le monde parlementaire ensemble, capable aussi, écrire au Premier ministre. Copie à l'institution internationale. Mmh. Parce qu'encore une fois, quand nous guettons euh, ce qui peut arriver dans le Parlement aujourd'hui, il dépasse une ben simple question de respect des lois ou d'arrocher des normes. Là, parce que les choses seront tout le temps pour interpréter d'une manière à minima quand il s'agit d'un membre du gouvernement, à maxima quand il s'agit d'un membre de l'opposition. Donc moi je crois que c'est une très bonne initiative qu'il va un membre de l'opposition faire. qui se devine, j'ai envie de dire, imite l'union pape mauricien, à le manifester dans la rue, mettre les autres devant le Parlement, symboliquement, Mais... ou revendiquer les C'est juste pour qu'on parle de dans une démocratie, vous êtes tout à fait d'accord qu'il faut faire manifestation. Mais à trop le faire, ou banaliser, ça c'est un danger. Mais rien n'empêche. bon, Il vaut dans la I I vote. Vote dans, dans politique, plus qu'il vont. Et donc, moi, mon banque, j'ai été dans l'arène politique, à, de plein, de, 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 de en plein. Mais rien n'empêche qu'il opposition, l'opposition. Au moins, je te divisais, éclatais. Mais le ça point là, c'est vrai, je te pensais dans un gross abus. Et ça nous félicite féliciter sa citoyenne, M. Ruben Pilet, qui n'a hein, pas il n'y a rien illégal, parce qu'il n'est pas un gathering. une seule personne, et là, moi, pour dire que la police, souvent, et là, certains policiers, me veux dire bien, certains policiers, font un excès de zèle. de mm. ne rassure pas encore, qu'ils n'ont pas gagné le droit. Et vous pensez qu'il y a une un caisse criminelle là-dedans. C'est un policier qui ne fait ça, fait ça. lit dans l'illégalité, pas M. Ruben Pilé qui dans est dans l'illégalité. Et ce qui est chagrinant, je trouve certains... Je bah, ne suis pas sur Facebook, mais à travers man, les autres proches à moi, comme on lit certaines lis de propos à Roland communal contre M. Ruben Pilet. Un citoyen engagé, il n'est pas dans le politique autant qu'il me connaît, non. Hein, autant ouais, qu'il qu me connaît, il peut faire une, une démonstration qui, la loi, permet lui et si on rappelle le citoyen, tant qu'il y a 12, 10, 9, 11, be careful, il n'y a de gathering, même si le Parlement peut siéger, au gain a droit. Marseille à 3, 4 du monde, pas encore le LEDO, pas encore le Divan, il y a droit. Interprétation de public gathering, section no, 4 du public gathering. On ne peut pas faire ça, mm -hmm. mais si on a envie de faire ça, moi, moi comme, comme un juriste, comme un académique laurier, mon interprétation du public gazeréga, comme ça. Mais vous avez le droit d'être statique devant le Parlement bah non, bien sûr. Ah, bien si sûr, Ils sont des gazerés. Mais. C'est non des de gazerés. Bien sûr, vous avez le droit bouger de, de, de bouger. Bouger, statique, un peu, ah, ou oui. marcher, ou faire ce qu'ils ont envie. Tant qu'on parle des passe douze. Mais d'autre part, notre petit motip bâton, mon camarade Ivo, vient de là. Lors de ce point-là, malgré les divergences, les différences entre factions faction de l'opposition, il faut penser pour une fois, je décrète commissaire de police, la police, et la police est obligée de donner de permission. Et si vraiment un citoyen pensait qu'il y a un grosse abuse de parlement, de, de du speaker, je suis capable, en suivant la loi, les procédures, et souvent des fois, moi-même, j'advise certainement l'organisation, nous n allons devant le juge de référé, juge ensemble, il gagne. Donc la police, par exemple, noir, refuse l'opposition, regroupée Faire une grosse manifestation de 25-50 000 du monde devant le Parlement. Pas le jour du Parlement, mais ce mercredi, ce jeudi, gagnon Ferli. Pour revenir à la situation sein de l'hémicycle, est-ce que des fois l'opposition pas. Je te suis, je prête flanc à ce qui provoque le speaker Alors, dans un contexte, quand on pose une question, l'introduction de la réponse couvre trois quarts du temps imparti à la réponse. Moi, moi je suis membre de l'opposition. Hein. Je me pose une question au Premier ministre, là, qui porte les affaires précises, avant que le Premier ministre là, réponde. Moi, le élément fort qui tout du monde, peut toujours attendre cette réponse, là, il prend tous les temps imparti à la question pour faire une introduction, saluer X, Y, Z, etc., etc. Ce qui veut dire qu'il ne a pas qu'à poser une question supplémentaire, pas derrière, parce qu'il... Et ça, nous comprenons bien nos affaires. Hein. Débattre, c'est un or. L'or de la rhétorique former partie de la formation de toutes euh, les grandes sociétés euh, contemporaines, grecques, romaines. L'or de la rhétorique formait partie du, du système éducatif, hein, où tu disais débat. Donc, il est automatique qu'il y ait des qui maîtrisent l'or du débat. Vous vous sentez frustré, parce que ce premier question-là, c'est une question d'ouverture, ça mm -hmm. Ce qui est important derrière, c'est qu'il dit « pose-moi une question supplémentaire ». Mais quand un coup vient dans il dit comme ça, découvre coups viennent trois coups viennent dans Il y a un peu, comment dire, moi, comme moi, dans mon comité disciplinaire, quand pena aucun euh, a aucun équilibre, hein, les patrons sont représentés, et puis ils travaillent, là, les libéraux, ils sont cassés. C'est dur à tenir. Qui qu'il fait Parce que pendant enfin temps pendant ans, au bout d'un verbiage, il parle et il dit « non, rien ». Et au bout là, là où Donc, pour moi, est-ce qu'un député de l'opposition euh, dépasse les bonnes Moi, moi je dis non. Parce que d'abord, c'est un être humain. D'abord, c'est un être humain. Et quand je poussais dans un bon retranchement, c'est normal que j'étais dans une réaction. Mm. Et dans un tel contexte, encore une fois, on reviens sur le rôle d'un can speaker Quand on peut trouver une l'équipe, qui peut faire dominer une autre équipe. Qui est faire Ou bizarre, un petit peu plus lignette Or, ça, l'équipe qui peut cibler sa dominer là. <laughs> hein? Et ou bien un P plus rigoureux, plus une, sévère, une avec l'équipe PFR. Une discrimination positive. dans... dans, un, dans un, en, tout simplement rééquilibrer les choses. Vous voyez mm -hmm. Quand vous êtes dans un contexte d'un parlement que tout le pape est capable de faire au travail, vous moi à la place des membres parlementaires, vous dit qui a le non-parlement et pas capable de faire ce travail, pose question, pas gain réponse, gain réponse, pas écrit après pas connaître comment elle est tant. Mais est-ce que vous rendez vous rendez compte, moi, dans un cas, par exemple, au Goodlands, euh, il y a une destruction en colline dans le quartier de Mme Jeanne, le député, là-bas, il a voulu questionner le Parlement. Après, c'est pas comme elle, tant qu'il y a une réponse, et, mais il y a un demandant qui peut attendre, mais il une réponse à côté. OK Donc, voilà pourquoi, moi, je pensais que la balle n'est pas dans le camp de l'opposition parlementaire aujourd'hui, Les est plus vrais, dans le cas dans le camp du gouvernement et du speaker, qui, aient des soit guettés. est-ce qu'ils ont envie de mettre des efforts, de mettre des ce... sagesse, de manière à ce qu'ils nous pas à venir une démocratie parlementaire réelle ou pas. Mais cest moi bon, un, bon, bon. un, une y une perception euh, au niveau de certains membres du public qu'ils ont dit, l'opposition, euh, c'est mon walkout, c'est mon expulsion. Donc, il y a une perception bon, dans ce sens. Euh, vous connaissez les vrais qui, moi, moi, moi comme vous observez, parfois... Il a certains, un ou deux membres de l'opposition, parfois à euh, l'anciper trop. Mais il, y a, il y a mille moyens pour un speaker qui vraiment maîtrise euh, les procédures et qui est très consensuel, capable de ramener à l'autre sans expulser, sans faire de naming de sa membre de l'Assemblée. Vous vous rappelez, un grand, un grand, euh, un grand euh, expert en matière parlementaire, Selwyn Lloyd. Qui dans ce livre, il raconte un, un incident en 1972. Un membre de l'Assemblée, qui un membre de qui, un, euh, membre de Van du Nord, fait un statement. Van speaker en anglais, souvent ce qui l'autre, euh, donc ça du monde là, Selwyn Lloyd, dit, vous avez fait une sélective deafness. Vous ne j'ai pas entendre qui fait Parce qu'il Parfois arriver, et ils moi, vont moi, 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 me dire, bon, humain ça, non mm -hmm. Donc, in the heat of the moment, quand ça fait chauffer un peu, elle est capable pas de saper. Mais si vous avez un speaker qui vraiment ou, ou maîtrise l'art de, de, de speakership et que le perçoit, ou qu'on fait li bien, en haut de haut de vous êtes capable de ménager certaines choses. Et parfois, quand, du moment là, le membre de l'opposition est dépassé, il, il dépasse limite ou besoin rappeler à l'autre gentiment et s'il s'il répète, mais vous pas besoin de disputer, de bouncer de crier, excité Et non, vous capable d'expulser les si gentiment, c'est pas aussi possible. Mm -hmm. Mais façon faire, il m'a pensé, et m'a et Et si une des trois fois, comme un ou deux fois, il un membre du gouvernement. Ouais. Ouais. Mais quand d'un côté on, on expulsez ou on aime, on suspend, on fait suspendre madame du l'opposition, Plus, pourquoi statistique en journaliste publié, puisqu'il vingt 29 fois et d'autre part, on fait un ou deux fois l'autre côté et ça, c'est exclu, c'est pein, pein à une motion, un... ouais. parce que aussi le et dans ce monde on blamez le speaker. Mais si vraiment il y a un leader de, de leader of the house qui a un profond respect pour la, la démocratie parlementaire, lui-même n'est capable pas venir avec une motion. Mm -hmm pas nécessaire qu'il y ait une expédition, qu'il s'en va de suite, qu'il vous amène une motion. Et là, je me trouve aussi, avec tous mes respects pour l'opposition, je peux dit, oublier cet aspect. Et en plus, le député euh, prime ministre, lit, qui sortit de sa grande école de gauche, euh, à, à gauche caviar peut-être, mais de gauche, qui lit systématiquement et qui lui donne l'impression donne qu'il y a un grand intellectuel. Et qui vont penser, il est bon intellectuel en fait, mais il trop donne cette impression-là et qui, aveuglément, comme un, comme un yes man, lui suit, lui seconde la motion du, du leader of the House. Parce que c'est pas le Donc, vous pensez, c'est pas this, c'est le Speaker, c'est tout le système de la majorité qui peut faire un abus aussi. Parce que c'est pas le Speaker, effectivement, qui décide du nombre de, su de, nombre séances, de, suspension. de, de suspensions. C'est motion from the leader of the House mm. et secondé par une autre personne. Mm. Et là, étonnamment, c'est le député euh, Premier ministre qui est presque aveuglément vient se sa motion-là. Nous finissons avec Aminash Manoua, politologue un peu plus tôt. Nous écoute ce qu'il y a à dire. Aminash Manoa, bonsoir. Bonsoir, Rude, Bonsoir, Patrick. Bonsoir à tous les auditeurs. Est-ce qu'il est juste de dire qu'il parle 55 ans après l'indépendance Il n'arrive à se limiter Question fonctionnement même c'est certainement ce que beaucoup d'observateurs paient hein. à affirmer cest C'est-à-dire que c'est clair que nous paie-trouve une dégradation des pratiques parlementaires euh, au fur et à mesure des années. Il ne pas oublier dans Maurice qu'il nous tient à une tradition euh, de parlementarisme euh, quand même qui était solidement ancrée, qui nous, qui nous héritait de ban britannique et qui n'est pas une figure qui était absolument outstanding, qui n est, euh, euh, qui tient le parlement, hein. Comme on peut penser à Harilal par, par exemple. Oh, effectivement, euh, ces années-là et sa tradition-là, quand nous était qui est arrivé depuis quelque temps, ben, on est très, très, très loin de tout ça. Maintenant, comme on me contente toujours Felli et Djeli, Il faudrait aussi nous qui nous comprend cette dégradation dans le dans le contexte dans lequel il est arrivé, nous trouver en réalité un peu partout dans le monde que la démocratie va mal. Euh, il suffit d'allumer les news, hein, de lire les journaux, quest qui peut arriver en France Où le président Macron est lui aussi accusé de trahir les préceptes de la démocratie bat de réforme. Euh, Maurice n'est pas épargné par cette dégradation de la démocratie, malheureusement. Et il est clair, encore une fois, que c'est aussi aux intellectuels, à la société civile, mais aussi aux responsables politiques, surtout aux responsables politiques même en réalité, de venir de l'avant, non seulement avec un diagnostic, mais avec des propositions de réforme pour faire qu'il nous capte injecter un souffle nouveau dans notre culture parlementaire, afin qu'il nous réadapte, lié aux défis et aux impératifs actuels. Mais là, dans l'immédiat, qui nous qu'a pas faire pour assainir la situation dans, ben déjà, pour moi, il est clair que a une tactique politique qui peut déployer au Parlement. On ne peut pas, on ne peut pas le dénier, hein. C'est-à-dire que, ban procédure parlementaire, ban une standing order, etc., peut servir dans une volonté politique. Et cette volonté politique-là nous vient aussi d'y aller. C'est un piège qui est tendu à l'opposition, et l'opposition qui rentre la dent carré-carré. écoutera -carré. Radio Lodzula, Kodlin, il a mis l'accent dessus, hein, et très honnêtement, c'est difficile de lui donner tort, quand il vient dire que... Effectivement, le speaker et n'a sa part de responsabilité, Nous tout connais, personne ne peut dénier ça, mais certains élus de l'opposition et n'a aussi sa part de responsabilité parce qu'ils se rendent dans Piesa, ils se rendent dans Zoéla. Et à partir de là, il est clair que l'opposition parlementaire, de réadapter sa stratégie. Parce que aller ben bah, chaque fois que le speaker va entrer dans des formes de provocation, je pour dans la surenchère the même et the je, dans je une situation que the même speaker là à the ou bien C'est exactement ce que vous le Badin, quand quand dinpe, disait, par exemple lorsque un, Très, très vieux membre de l'Assemblée nationale qualifie le speaker de Zarko, mais il y a problème, lui aussi. C'est tout à fait normal qu'il y ait un speaker parce que Mais est-ce que finalement, nous ne rendons pas dans un jeu politique, là? Mais c'est, ce qui m'a dire, en fait. Là, l'invin ultra-politisé. Le, le la, la, la tradition parlementaire, qui est une tradition du, du débat sur les affaires du pays, sur les politiques publiques, sur les politiques sociales, économiques, etc. Ben, l'invin a un débat, en fait, qui est entièrement politisé. Et pas dans une forme du débat politique élevé, mais dans une forme de la politica, comme on dirait en français. Et ça, je trouve que c'est une culture qui s'est installée. Et pas seulement à Maurice. Maintenant, comment reculer sur cette culture-là Très honnêtement, moi, me constater que cette culture-là, nos pétrovlieux dans le Parlement, mais nos pas existent dans le Parlement. Mon petit pays journal la semaine dernière, il me trouvait qui fait référence à ça, et je trouve que c'est un point extrêmement important à reprendre. Nous avons une situation en fait que le Parlement c'est devenu de la télé et c'est devenu un spectacle malsain. Mais tout comme les réseaux sociaux aussi, c'est produisent euh, une forme de populisme et de spectacle malsain. Donc fondamentalement, il y a aussi une autre question à poser est-ce que la diffusion des travaux parlementaires, qui au départ l'esprit était de rendre visibles les travaux parlementaires pour de la transparence, est-ce qui en fait les pas en pièce parce qu'il y a une affaire qui claire, est claire, c'est quand on ne se suive en direct, quand on get, surtout sur les réseaux sociaux, quand on guette pas de commentaires, ben, on trouve beaucoup, beaucoup de commentaires. que est quand on speak up et explique ses titans. Il y a une forme d'excitation, en fait. Et c'est là que vous trouvez. Avec la, profond, en fait, avec la diffusion, avec la diffusion de Van travaux on dirait qu'est-ce qui ne s'est pas mis de mettre la pression, l'urban parlementaire et même sur le speaker pour perform dans le parlement. D'une certaine manière, oui, mais que, que veut dire perform dans ce cas de figure? 8 Évidemment qu'il y a une pression de pour perform, mais pour perform quoi? Dans les règles et dans la tradition historique des travaux parlementaires, c'est-à-dire pour un rôle la tradition et le bon fonctionnement, ou bien pour perform dans un esprit de populisme qui répond à la demande. Euh, des téléspectateurs de voir le parlement devenir un cirque. C'est deux types de performances là. Hein bon, le fait qu'il demande travaux une une diffusion directe quand même c'était quand même une avancée démocratique ça. Non non, c'est clair, c'est clair que c'est une avancée démocratique mais Qu'est-ce ça peut amener aussi en même temps okay. Regardez quel est le revers de la médaille par rapport à ça. Et encore une fois, ce sont des questions à poser, parce que c'est pas juste Maurice qui s'est fait arriver. Mon il y a récemment euh, un, un, un bouquin passionnant qui s'appelle La Société du spectacle de Yves Debord. Et quand on quitte les prédictions dans sa ce livre-là, c'est-à-dire, il dit, en gros, plus nous pouvons mettre devant l'écran, plus nous pouvons montrer Ban Moon tout ça qui peut arriver, plus, plus le populisme va exploser c'est exactement ça qui peut arriver. Mais d'un autre côté, le Capaf comprend qu'il a une certaine frustration au niveau de l'opposition aussi. Ah oui, non, absolument. Mais qui ne serait pas, pas frustré par, par rapport à ce qui se passe Mais encore une fois, je le être bien, ce, bien plus, il, il plus intelligent que la, que la tactique qui est mise en face d'eux. Et il ne faut pas répondre, en fait. C'est là qu'ils ont le une autre stratégie. Et permettez-moi de le dire, c'est là que les parlementaires qui ont beaucoup d'expérience, parce que ça fait des décennies qu'ils ont dans le Parlement, ben C'est à eux de montrer la voie et de ne pas répondre aux provocations et aux agressions. Mais au final, quels euh, changements qui vous change, apporter Comment est-ce qu'on peut, on peut ramener un petit peu la sérénité Alors, je ne suis ni constitutionnaliste, ni un spécialiste de ben, procédure parlementaire. Mais, par exemple, au haut comme au encore au MMM, il y a une discussion dans les, dans les instances et dans les commissions des réformes à apporter, par exemple, aux Standing Orders. Parce qu'il est, si, il est, il est absolument certain, ils ont dit que. Avec justement le, le fait qu'il est parlement diffusé en direct, avec tout ce jeu euh, du spectacle et du théâtre qui se met en place à partir de là, ben, procédure bizarre évoluée et procédure bizarre qui répond au, au défi que, que, que présente justement le fait que le parlement retransmet à la télévision. Parce que on ouais, pas parfaitement raison de dire que. La retransmission du Parlement se fait dans un esprit de démocratie et de transparence, c'est totalement vrai, mais du moment qu'ils nous retransmettent Parlement nos télévisions, ben forcément ça change la nature des travaux, ça, ça change la nature même de ce qu'est le Parlement. Comment Monsieur Ali là, ben le parlement Guinapé est une forme de spectacle, ça devient de la téléréalité et à partir de là, Ben Stanley Orders dit adapté par rapport à ça pour limiter la possibilité d'abus et de débordement. Avinash Manohar, merci beaucoup. Merci Ruth, merci Patrick, merci beaucoup. Donc, nous finissons l'écoute. Uh, Avinash Manohar, politologue, mais je bien préciser qu'il nous sollicite sollicité Avinash Ramiad, le gouvernement de Chief whip, uh, hier, Il a dit peut-être qu'il euh, euh, participe euh, dans l'émission, mais là, nous ne sommes pas réussi à joindre. Donc voilà, Avinash Manohar, et Cause de la diffusion des travaux, sans mettre en cause euh, la, la, le bien fondé de la diffusion, diffusion des travaux, mais sont les médias qui s'affine engendre quelque part un, 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 un spectacle, qui, ça, les travaux sont devenus quelque part une téléréalité, réalité ban de députés, ban élus, on donne une certaine surenchère. Donc euh, mm. peut-être à uh, Oui, qui... alors euh, d'abord, il est vrai que la politique peut un spectacle. Parce qu'il y a ce qu'on qu appelle la professionnalisation de la politique. Il cite la France la France, la plupart des politiciens, ban Enoch, ÉNOC, qui est l'école nationale de l'administration en France. Okay? Dans Maurice, en ce moment-là, nous avons au moins 10 héritiers politiques. Ça veut dire que je n'hérite des autres papas mm -hmm. des autres places qui étaient dans Paul, Donc, forcément, quand nous donne une situation, côte ceux qui euh, deviennent les détenteurs du pouvoir se maintiennent en place, non pas par le mérite, non pas parce qu'ils ont des idées, des ben idées extraordinaires, des ben idées révolutionnaires, non pas parce qu'ils ont garanti une certaine réforme, un certain changement, une certaine amélioration que la population peut mais ben forcément, cette limite, limitent à quoi il faut jouer sur l'émotionnel. Vous pensez, un journaliste journalistes commence à oui. bien connu, normalement, une journal qui commence avec un fait divers. Il commence avec fait divers qui fait. Parce que ça peut attirer tout de suite le public. Il y fait divers qui est on a un bon, un oui, mauvais, avec un Ok Donc, c'est exactement euh, ce type de spectacle-là que, malheureusement, aujourd'hui, Elola Lola, je me rejoins, Avinash Manuel parce qu'il. Internationalement, d'ailleurs, tu à la mon, mon cause 49e l'Angleterre. Et là, là Maurice parce qu'effectivement, le, 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 le spectacle politique aujourd'hui stagne parce qu'il n'y a pas de profondeur dans les débats. Pas poil tous en profondeur, ben, une véritable réforme. Pujio comme ça pour faire pour Pujio comme ça pour faire sensement. Mais c'est moi pas Pujio comment on permet de ça là? Hein pas Pujio qui méthode pousser à vie. Et s'il y a tout pas Pujio comment vous sortir des petits points? Ah? Hein pour arriver jusqu'à point Z nous peut causer là pas point B parce que ça a un changement qui nous peut bien mais dans nous pays là il y a un changement que nous peut bien. passe par 24 étapes 26 étapes avant de nous réussir à obtenir ali. donc pour moi euh, la politique spectacle perdurera tant qu'il nous maintenir le même système en place que tout parlement siézé euh, 4, euh, 4... 8 zoom au cours 2014 il, siézé euh, bon pas, moi moins ce trente dans, dans un an mais il pourrait être un spectacle qu'il fait parce qu'il peut bien concentrer tout, j'ai euh, envie de dire, popularité du travail qui mène parlementaire, il peut faire l'autre en deux mm. Alors qu'ici, il y a un débat, comment nous, au niveau du LPM, nous nous pouvons dire, nous, au pouvoir, full-time parlement, 4 à 5 jours. Oui, 4 à 5 jours parlement, mais quand on est a 4 à 5 jours parlement mais, ou bien véritablement, il y une constituency clock, ou pays livré, même, pas ou prend casse là, ou pas payer, qui fait un petit constituency clock, qui peut rouler, ou pas gagner les temps pour coup de fil, tout, ban euh, ben mandant, qui peut téléphoner. Si au Parlement si c'est 4 à 5 jours par semaine, ou bien il y a un petit peu un dossier pour qu'il soit capable, justement, d'exposer euh, ou argument, ou position, position au parti, position au ban mandant, au Parlement. Donc, il faut qu'il nous arrive, à transforme cette démocratie parlementaire en quelque chose de ré réellement effectif. Adieu. Bon, y bon, 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 a un débat contradictoire. Hein, et moi, bon, back tout de avec mon camarade Ivo, dans le sens si nous nous accommodons bien, nous dans dans, dans dans un schéma d'un régime parlementaire. Et dans ce dans, dans ce type de régime, nous avons des ministres. On est différent quand on a un système présidentiel. Vous êtes ministre, vous êtes ministre, vous n'êtes pas membre du Parlement, par exemple dans un système semi-présidentiel, comme en France, vous n'êtes ministre, vous n'êtes pas siège au Parlement. Et aux États-Unis, c'est la même chose. Là, vous n'êtes pas capable en séance parlement trois, quatre fois. Donc, dans la pratique, comment vous un ministre fonctionnel il travaille, si il vit dans le Parlement Non, vous ministre, siège au Parlement en France. Hein. Non, vous n'êtes pas capable, mais en, 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 aux États-Unis et même en France, il y a un de mandats. Donc, là, ce qui vous dire, le c'est qu'il sa proposition là. Moi qui une fois par semaine vous payez un parlementaire 175 000 roupies à peu près, n'est pas correct. Mais de là à al pousse ce bouchon trop, trop, quatre fois par semaine, mais oui. comme ministre oui. fonctionner dans ce ministère. Donc oui. ça c'est un problème. Le côté est-ce parlement, parce qu'il paye il y a un débat télévisé, est-ce qu'il s'avère un spectacle En partie oui et non. Certains, hein, vous allez reconnaître qui côté le gouvernement, qui côté l'opposition, et là, amène y a un débat sérieux, des deux côtés. Hein. Est-ce qu'il y a, oui, livré qui n de et une théâtralisation un peu excessif, mais de là à dire, parce que pour moi, mon pensée est correcte, qui est dans le débat télévisé. Mais quand il y a vilain, pour nous, avons des enfants qui pèguent ça parfois, nous, qui étudiants qui pèguent ça, donc, il y a une manipulation, qu'on ne peut pas appeler le vrai débat. Mm -hmm. Mais dans le débat, très très civilisé, moi, moi, parfois, on a des accords avec mon camarade Aivo, où on a une propre opinion, euh, Ruth et aussi Patrick. Et c'est ça, une, une société saine, démocratique, mm -hmm. quand on a un débat contradictoire. Là. Moi, je peux bien apprécier qui, ou Gagné du Monde, qui vient défendre la thèse du gouvernement, la thèse du speaker. Mm -hmm. Et dans tout débat, ce qui nous a, et nous ce qui est l'idée, la thèse et l'antithèse, nous devons défendre ça. Mais malheureusement, quand le gouvernement, du euh, Djumoun, pas nécessairement ministre ou député, il y qui est pro-le gouvernement, pro-gouvernement, pro-façon-speaker, il dit vous qu'il y a un débat civilisé dans le respect, et ce qui me trouve excessif dans le Parlement, on ne pas quoi, à côté trop théâtralisation, il y a un petit guide de la part de un ou deux, mais ce qui est et bizarre, si capable, parce que téléviser le débat, c'est un avancement démocratique. Quand ouais. aussi, moi, légèrement euh, en désaccord avec mon camarade anne c'est dans un petit pays, nous sommes contextualisé dans les affaires. Hein. Moi, je suis un peu contre ce qu'on appelle euh, la politique dynastique. Mais dans un petit pays, s'ils commence à exclure... Parce qu'ils un ancien ministre ou un ministre, ce garçon sont vraiment passionné par la politique. Parce qu'il est né dans sa famille-là. Mm -hmm. S'il n'a pas passation de pouvoir de père en fils, ça m'a complètement désagré. Mais on n'est pas capable d'un petit pays qui a 1.2 millions d'habitants. On va dire, non, mais ça veut dire que papa est, qu est ministre, ou, ou tcha-tcha, ou, ou tonton, ou, 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 ou famille on est ministre, ou pas le droit revenir dans la politique. Là, moi, je trouve là, je un peu, pour moi, à, à, à mon propre analyse, il y a un peu excessif ça aussi. Une dernière question avant qu'il nous termine, nous prépare pour finir. Donc, Ayvon euh, est-ce qu'il speaker pour revenir dans le cas Boulel? Est-ce qu'il speaker parce qu'il va mettre une caisse directe la cour contre Orvin Boulel au lieu de passe par le Parlement? Très, très bonne question. Et moi, je pense que ça, c'est très pertinent. Je hein? pense que ça, a bien fait à l'actualité. Qui fait, est-ce qu'il le speaker, choisir pour service au pouvoir exceptionnel qui y a dans le Parlement, choisir contre un membre éminent d'une partie de l'opposition? Alors qu'il y a un droit en tant que tout citoyen capable de mettre en place ces informations, etc. Je vais vous mais une petite précision par rapport à nous les accords et qui font que nous sommes réconciliés. Nous, on a des accords. Là, une coup, comme dit disais, le Parlement, on a 4-5 jours par semaine. Ce n'est pas un débat parlementaire qui fait 4-5 jours par semaine. Mais il y a un tout bon comité, tout bon comité qui siège l'économie, qui siège le social, l'éducation, tout ça, mon ben, comité là, il y a un continuellement, pas se que je fais, il dire une fois, les temps après, les ben, permanents secrétaires qui ne peuvent qui un document là, vous autres, ben, ben, il monde concerné là, pas il pas, pas, pas présent dans le dans, dans, ben, débat, de un ben, select committee, etc. Donc c'est surtout sur ce point là que mon euh, pensée nous sur nous, nous point, là. Je suis tout à fait d'accord. Quand vous faites <laughs> l'évolution du Parlement en Angleterre. L'Angleterre, pendant ses derniers 50 ans, là il ne fait pas un progrès extraordinaire à mmh. la démocratie parlementaire. Et ça, dans, sa, dans, 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 dans ce qui a euh, évoqué, dire, la, la, la Monaco. d'accord. Nous revînons, est-ce qu'il explique si vraiment M. Robin Boulel, moi qui ne servira pas au l'économie de l'eau au plateau, si tu as un problème. Bien sûr, Et si les propos de M. Robin Boulel si amountent à une criminal defamation, si il y a une voie criminelle, ou ça, si pote une porte atteinte à son honneur, à son intégrité, -y. il y a une voie civile. Mais il y a aussi une autre section qui peut-être nous à l'occasion de causer, la section 74 de nos standing orders. Mais là aussi, comme on disait, c'est un camarades qui est spécialisé en matière parlementaire, droit parlementaire et, et aussi constitution. Là aussi, moi, j'ai une autre opinion. Il y a une affaire qui est une, et il y a la loi, un acte de parlement, et « Privileges and Immunity Act ». Le speaker peut-être ne peut pas contempler ça, mais quand vous lisez, vous trouvez que c'est un mm -hmm. member of parliament qui a besoin d'aller faire une motion et s'il est trouvé approprié, et là, il refera le matin à la DPP. Mm -hmm. Mais là, à propos de Arvin Boulel monsieur qui dit à c'est un sort de of contempt de la National Assembly, et là aussi, même au si... Même, c'est une question là, c'est une vraie question d'interprétation. Est-ce qu'un speaker qui, non élected ou sans speak quand même est-ce qu'il est que, si élected il y a un full member of parliament est-ce qu'il a pas ce qu'il nous appelle un ex-officio member dire, il est là mais il n'est pas un parlementaire est-ce qu'il nous a qualifié comme un member of parliament ah. ce, donc tout un débat mm -hmm. mais il est capable peut-être contempler sa section rifa d'amate mais je ne rappelle pas exactement ce que monsieur avin boulel l'honorable avin boulel dit dire mais peut-être si pour les servir la section 74 de « Contempt of the National Assembly ». Merci beaucoup, monsieur, pour votre présence sur le Nouveau Plateau. Nous tenons à remercier Norsing lecturer droit à l'Université Maurice et membre du porte-travail C.A. Votanian, juriste et membre de l'Union peuple mauricien. Merci pour votre présence. À vous. Voilà, on Merci à vous arrive à la fin de l'émission. Merci au film. Suivez-nous dans un petit moment pour Amna Medou qui pourra amène l'actualité en anglais.